Bien, tu es Dans prête? la semaine, si je me sens bien, je streamerai aussi. Je suis sûr que si tu dis à Cara Sebastian Castellanos, il va s'en rappeler. Sébastien Castellanos. Ah, ben c'est Evil Within, ça. Ah, merci. Je savais bien que c'était ça. Je regarde si Ah sur merde, t'as déjà Wesh. lancé le stream? Bien sûr. Enfin, je regarde, ça ne démarre pas chez moi. Ah si, ça a démarré, je viens de m'entendre, soudainement j'étais sur la page et puis d'un coup, ma voix. Merde! Bien, alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les gamers du Pixel perdu qu'on n'a toujours pas retrouvé. Et qu'on retrouvera sans doute jamais hein, parce que ça signifierait la fin de la chaîne. Ce soir, nous sommes avec une invitée de marque, une invitée de charme, Mie. Bonsoir à tous, Lady Panda est dans la place. Voilà. Donc, Comment ça planquez-vous? nous étions à la. Donc, c'est la partie 4, chapitre 7, sur les 15 du jeu. Hein, en 4 sessions, je suis arrivé à presque la moitié du jeu, puisqu'il n'y a que 15 chapitres. Joli. Je suis au niveau du gardien. Le gardien Gardien. qui a le crâne, qui a la tête dans un espèce de coffre-fort de merde. La tête dans un coffre-fort. Bah, ouais, c'est ça le gardien. Charmant. Donc, et nous C'est un voilà. peu comme une mimique qui a pas fini d'accoucher, en fait. Donc, d'ailleurs, tu vas le voir tout de suite, hein, le gardien, vu qu'il est dans cette zone que je n'ai pas pu passer la dernière fois. Parce que le jeu D'accord. aime bien faire des pièges d'enculé. C'est Gilouettine, hein. Allez, on y va. Oh putain, ça rend super noir sur l'écran du stream. On voit que dalle, tu vois que dalle aussi? Et voilà, non mais ça, oui, parce que c'est très sombre là où j'étais. Ah oui, mais chez nous c'est carrément noir. Et voici le gardien. Ah voilà, ça y est, là on voit quelque chose. Et voici le gardien. Au fond? Je crois que j'ai un sacré décalage. Ouais. C'est marrant, le gardien il me fait un peu penser à Pyramid Head. Oui, sauf que lui, il est en fait censé garder les secrets mentaux du propriétaire de la machine où nous sommes. Oula, oula. Ils font peur, les pièges. Ah bah oui, tu croyais quoi? C'est en fait avant même de pouvoir te frotter au gardien, faut déjà passer ça. Ouais. Ah putain, hier j'ai pas. Enfin hier, la dernière fois j'ai pas pu passer ce piège. Parce que je me suis bouffé les mines. Ah mais oui, mais parce que tu les vois pas en avance et le truc qui tombe super vite Leslie, derrière toi quoi. on va bien. Ouais. Kid. Cela dit, t'as réussi à passer là. Kidman? Elle est dans le coin. Kid. Kid. Est-ce qu'elle va bien? Le jeu est vraiment beau. Elle va bien. Recule. Niveau Ouvre la maniabilité, porte. il est bien aussi? Très bien, ça répond au doigt et l'œil, c'est un régal. Tu sens que c'est le papa des Resident Evil qui est. Comme dit Qui est Monsieur derrière. Plouf, il a dû être un peu dégoûté des Resident Evil. Il a dit, Nom de Dieu, je dois leur montrer ce que c'est un véritable jeu d'horreur. Alors comme tu vois, il y a plein de petits coffres-forts partout. Des petits casques. Oh, ça c'est trop bien. Ça c'est trop pour moi. Donc, je vais quand même chercher. Hop, j'allume ma petite Le 2? lanterne. Oui, c'est le 2 hein, qui joue. Non, c'est le 1. Ah non, c'est le 1. Il est temps que je m'y mette. J'allume ma petite lanterne, histoire d'eux, parce qu'on a une lanterne, mais elle attire les ennemis, hein, bien sûr. Donc Oui, ça m'étonne pas vraiment. Bon, on va couper la lumière et on va ouvrir la porte. J'aimerais bien allumer le son du stream parce que j'aimerais bien entendre le son du jeu là. Tu veux que je le monte? Non, non, c'est juste que quand je coupe le son du stream, bah je l'entends pas. Non, attends. Oh, le son d'ambiance est bien. Oh le con! Ah oui, oh le con. Vous avez été repéré par un putain de gardien. Hop là. Oh putain. Hop. Allez, hop. Et le son d'ambiance, les voix, etc. sont vraiment géniaux. Putain. Tu
Il fait mal? Un peu. Je te cache pas que un peu. Tiens, viens, chérie, connard. Regarde. Oh. Allez, hop. On dirait un peu pyramidal, mais en mode coffre. Le fils de Pyramidal et d'un Mimi. Ça a de la logique puisque Pyramidal se tape tout le monde. Oui, oui. Et désolé, forcément, il y aura bébé sur l'air. Oh, le délicieux sirop à la menthe, est-ce que j'ai récupéré? Non, je l'ai pas récupéré. Putain, du gaz. Sirop à la menthe? Putain, j'y vois rien, bordel. Ah, la poignée. Non. Oh. C'est du gaz mortel? Oui, oui. Oh, oh merde. Et avec ta lanterne, tu verrais pas mieux? Je peux pas l'attraper. Ah, merde. Parce qu'il est en train de mourir. Oups. Ah, merde. Non. Trop tard. Et de une mort, une... Putain. Ça commence bien. Ah oui, c'est un peu le but du jeu. Si tu mourrais pas un petit peu, ce serait pas drôle. Alors il faut en fait savoir que le gardien, il saute pas tout seul. Chaque coffre-fort est une réincarnation du gardien. Donc quand il meurt, il y a un coffre-fort qui peut prendre la place. Bien sûr. En fait, les gardiens sont pas tout seuls. Chaque gardien, quand il meurt, en fait, le coffre-fort les réincarne. C'est pute, ça. Bonjour. Bouf. Heureusement que j'ai des carreaux de gemmes. Oui, dans un sens, ça doit un petit peu aider, quand même. Par contre, j'ai plus de balles. Ça, c'est moins cool. J'ai plus de balles, et il faut que je fasse un truc, quelque chose. Va y avoir ça, je me le mets là-haut. Parce que ça va m'aider. Et les ennemis, si tu les brûles pas, ben, ou si tu leur as pas mis de balle dans la tête, ben... Ils se relèvent. Ils se relèvent, hein. C'est des bons zombies. Ah, putain. Pitié, faites que je trouve la poignée des gaz. Ah. Donc, je regarderai pour streamer cette semaine, et la semaine prochaine, je modifierai l'apparence de la chaîne en incluant Sangan. Hein? Est-ce que c'est cette poignée? Pitié. Et là, c'est pas la bonne. Oh, il y a un gardien qui se lève à côté. Oh merde. Allez. Non. Culé. T'as autant de chance que moi sur les jeux d'horreur. Hein. Allez, hop. Ah oui, je vois le gardien. Oh, quelle horreur. Oh, avec la lumière qui se coupait et qui se rallumait, ça a vraiment fait peur quand le gardien s'est levé. Allez, hop. Putain, là, je suis obligé de switcher à plein pot. Oh, putain, une mine, tu te fous de ma gueule. Allez. T'es toujours dans le gaz qui est en train de te tuer. Ouais, parce qu'il faut que je ferme la vanne. Je crois qu'Erin en a marché. Je crois que c'était son max. Quoique. Oh non! Non, tu déconnes! Quoi, il se relève? Ah! Coup de bol cinématique qui me sauve. Allez, on lui ferme la porte à la gueule. C'est une bonne idée. J'ai les Maya! Non, c'est pas fini, hein. Allez, non. C'est déjà une partie de passé. Allez. Fermez l'autre porte. Personnage. Ouais, il est très classe. Ah, cool. Ah, t'en as déjà dit assez, là. Ah non, le personnage a un bon look. Il est mince, prend un bon look. Le son du jeu est cool. Oh, quelle horreur! Je me pose la même question que Sébastien Calestelianos. Que tu vas bientôt entendre. Ah mais quelle horreur, le machin, il a retiré le... Oh.
déchiré le coffre de sa tête. C'était immonde. Putain, où est-ce qu'il y a une poignée? Où est-ce qu'il y a une poignée? Reculé. Oh putain, mais c'est qu'il pose des mines par terre, cette enflure. Ah, c'est charmant. Bah, au moins, tu sais d'où elles viennent, les mines. Ouais, merci. Bah, écoute, c'est toujours bon de savoir d'où ça vient. Ah oui, effectivement, il les a posées au sol. Eh ben, toi! Merde! Tiens, dans ton cul. T'es sûr que c'était son cul? C'est pas, je m'en fous. Tu t'en fous du moment que c'est en lui. Voilà. Oh, ça a ouvert le coffre. Sérieux? Ah bah oui, ça lui a ouvert la tête et le coffre avec. Il y a quelque chose dans le coffre? Non. T'as, faut que je me régène. Mais c'est dégueu quand le coffre il s'ouvre, il y a tout du sang et de la cervelle et... Ouais, parce que... Alors, désamorcer les pièges. Désamorcer les... Ah, tu peux les désamorcer? Ouais. Ça me fait des pièces détachées pour mon arbalète. Ah, c'est cool. Même si je me demande comment des morceaux de pièges font des morceaux pour une arbalète. D'ailleurs, comment ça se fait que t'as une arbalète dans les temps modernes? Quand tu vois la gueule de l'arbalète... Bah, c'est que j'ai eu du mal à la voir jusqu'à maintenant. Oh, du sirop à la menthe. Du... Le sirop à la menthe, ça te régénère ou ça... Non, le sirop à la menthe, c'est de l'expérience. D'accord. Ah, putain, quoi, il y en a encore un? Foutez de moi. Quoi, Erin, ce que je regarde te fait peur? Oh, tu veux pas que je regarde tonton Maya? Parrain Maya? Qu'est-ce que... Oh non! Oh non! Il vient de péter la poignée. Oh non. C'est faisable, ça? Oui. Bien sûr que c'est le faisable. Le monstre a pété la poignée. La poignée dont avait besoin Maya. J'en commence à en avoir plus une queue de les buter. Et du coup, s'il a pété la poignée, comment tu vas faire? Moi, j'ai vu qu'il y avait une poignée que je pouvais pas attraper tout à l'heure. Ah. Allez, hop. Il y a presque plus de gaz. Ah, oh, il y en a encore un qui a s'élevé, bordel. Tu te fous de ma gueule? Je trouve qu'il reste encore beaucoup de gaz, moi. Ouais, moi aussi. Hop, hop, hop. Fabrication de carreaux. Voilà. Hop, du sirop à la menthe. Alors en fait, le sirop à la menthe, c'est représenté par en fait une sorte de cervelle enfermée dans un bocal. Putain, 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 putain. T'es sûr que c'est du sirop à la menthe que tu bois? T'as vraiment envie de savoir? Ou tu dis ça seulement pour te rassurer? Je suis obligé de bouffer un nombre de munitions. Allez. Allez. Allez, s'il te plaît, Castellanos, il y en a un qui se réveille encore. Pourquoi tu l'appelles Castellanos? Parce que c'est son nom. Ah, c'est réellement son nom? Oui, il s'appelle Sébastien Castellanos. Ah non, je suis pas raciste, mais je pensais que c'était juste une blague. Ah putain. Allez, casse-toi, casse-toi. Casse-toi, mais tellement vite. Allez, nouvelle porte fermée. C'est pas qu'il commence à me fatiguer, mais presque. Presque. Ah. Point de contrôle, parfait, on va pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il a, ce coffre? Mais ouais, il y a un coffre bizarre. Tu vas voir. C'est comme t'as attaqué. Ah,
c'est un mimique. Oh oui, c'est un mimique. Espèce de putain de coffre, bouffe ta mère. Trop bien. Trop bien, c'est un mimique, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de te noyer avec du sang? Non, c'est qu'en fait, tu comprends maintenant pourquoi ils ont des corps humains? Oh. Oh. Succès déverrouillé. Qu'y a-t-il dans la boîte? Donc en fait, à la base, c'est pas des monstres. C'est les coffres forts qui prennent possession d'humains. Oh. Oh, c'est méchant. Oh putain, est-ce que je peux revenir dessous pour récupérer? Non, mais visiblement ça a verrouillé le... Je vais aller voir si je peux récupérer quand même. Donc en fait, c'est des mimiques, mais en pire. Ah bien sûr, c'est des mimiques d'odeur. Génial. J'adore les mimiques. J'ai toujours adoré les mimiques. Donc voilà, c'était le gardien. C'est lui qui garde les secrets scientifiques du méchant du jeu, Ruvik. Qui gardait? Ouais. Maintenant, tu l'as tué pour de bon. Celui-là, oui. Il y en a plusieurs. Bah, je sais pas où on en est dans le jeu. Hein. Enfin, si, je suis au chapitre 7. Donc 7 sur 15. Et tu crois qu'il y en a encore des gardiens? Je sais pas, on va bien le voir. Hein. Bon, je vais regarder un peu où sont mes munitions. Mon revolver, ouais, c'est bon. Mon fusil à pompe, après, il a pris 2 balles, donc je vais pouvoir recharger les 2 cartouches. Ça, c'est cool. Mon fusil de précision, putain, il me reste plus de munitions. Grenade, il en reste. Ça, je peux fabriquer aucun carreau, j'ai plus assez de pièces. Je suis au maximum de mes trousses de soins. On va reprendre mon petit pistolet. Un petit pistolet de la moule. Ouh, du sirop à la menthe. Du héros, là ? Mais en fait, le héros a été appelé pour une urgence dans un hôpital psychiatrique. Avec l'enquêteur. On dirait le début de Outlast. Avec l'enquêtrice Kidman et un autre enquêteur. Et. Celui qu'on a vu tout à l'heure ? Et tout part en couille. Le mec qu'on a vu tout à l'heure ? Il a des lunettes, le mec qu'on cherche. Et voilà. Oh et putain. Le blond qui s'est échappé par la porte, là, c'était qui ? Leslie, qui est un des malades de l'hôpital psychiatrique. Oh. Est-ce que t'es supposé les sauver aussi? C'est possible, oui. Donc en fait, le problème, c'est que ça alterne entre plusieurs réalités et Castellanos ne sait pas où est-ce qu'il en est. Parce qu'en fait, on est dans la réalité de Ruvik, qui s'amuse à manipuler la réalité et un monde de folie. Mais il y a aussi l'hôpital psychiatrique... Le vrai hôpital psychiatrique, une sorte de monde interne à Castellanos, avec une infirmière particulière. Une infirmière particulière? La superbe Tatiana. Oh non! Désolé. Non, tu déconnes! Eh non. Non! Chérie, l'infirmière particulière de Castellanos, là, elle s'appelle Tatiana. Oh mais non! Pourquoi on me met toujours dans des rôles de pute? Ah, mais là, c'est pas une pute. Hein. Elle est très mystérieuse et c'est elle qui nous apprend plus ou moins l'histoire de Castellanos avant. On sait que sa femme, qu'il a eu une fille et que sa femme est morte en mission. C'était aussi une enquêtrice. Oui, parce que de ce que j'ai compris, dans le 2, tu vas partir chercher ta fille. Je crois que le but d'Evil Within 2, c'est de retrouver ta fille, en fait. Et ta femme, en fait. Ah, et ta femme aussi. D'accord. Allez, on les crame. Parce que ceux-là, ils ont 2 têtes, donc ils peuvent se réveiller, ces petits bâtards. C'est vache. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a du sirop à la menthe? Non. C'est sûr que c'est du sirop à la menthe? Oh, c'est sans doute du liquide... Céphalocradien? Oui. Et on les crame. Tu disais ça seulement pour te rassurer. Non, mais réellement, les bouteilles ressemblent à du sirop à la menthe. C'est des icônes qui...
Mais regarde. C'est du sirop encéphalo-crânien. C'est pas du sirop à la menthe, ça. Attends, j'attends avec le décalage. Ah si. Si, ça ressemble à du sirop à la menthe, mais pas aussi transparent que ça devrait l'être. Il y a un peu. Oh putain de merde. Non chérie, c'est du liquide, on s'est fait le crâne. Céphalorachidien, d'accord. Ou alors on a été corrigé par le docteur de la pièce. Et tu te relèves pas, toi. Brûle, saloperie. Est-ce que tu as du sirop à la menthe? Non. Pourquoi tu veux avaler ça? Ah, tu vas voir comment tu l'avales d'ailleurs. Quand on va trouver. Le problème, c'est que les points de sauvegarde sont en fait des miroirs qui permettent d'aller dans le monde privé de Castellanos. Oui, il m'a mentionné qu'il a créé ce jeu. Il m'a même dit que c'était probablement. Il avait été dégoûté par les Resident Evil et il s'est dit je vais leur montrer ce que c'est. Il y a de fortes chances parce que ça a l'air beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, j'ai bien aimé les Resident Evil aussi. Dégage! Oui, voilà ce que j'ai. Ah oui, j'ai plus de balles, tiens. Ça, c'est très cool. Ah, ça y est, t'as plus de balles maintenant. Voilà, fusil de précision, c'est bien. Et quand les corps sont côte à côte, ils brûlent tous ensemble. Une allumette, ça les fait tous cramer. Parfait. C'est bien. Ouais, mais si tu fais allumer tout le reste? C'est pas grave, au contraire. Mais il faut pas brûler l'hôpital psychiatrique. Ah, mais tu peux pas le brûler. L'hôpital psychiatrique, c'est la réalité. Là, ce qu'on est, c'est dans un monde irréel. Un cauchemar créé de toutes pièces par le vide. L'hôpital psychiatrique réel, il est normal ? Ah non, il a juste eu tous ces flics et tous les mecs, tous les malades qui ont été tués. Ah, donc ça va pas très bien dans la réalité non plus. Sauf Leslie et le dénommé Revic. D'accord. Et Revic, donc Revic, c'est le méchant. Revic, c'est un bon enculé. Hein. Tu sais, il y a des moments où tu es en train de courir, dans une pièce prêt à te noyer dans le sang parce qu'il y a un déferlement de sang dans la gueule. Et là, tu te fais emporter et tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de tomber parce que la pièce passe de l'horizontale à la verticale. Donc du coup, tu tombes. Et d'un seul coup, la pièce revient à l'horizontale, donc ton personnage s'étale et roule plus loin. C'est fun. Avec l'élan. Donc tu es en train de te dire « Enculé, Revic, merde, arrête ça !» Tu es en train de gueuler, quoi. Il est vraiment pas infini, mais t'as celui-là. C'est vraiment un bon jeu, parce que les enchaînements sont juste tarés, quoi. Ah, et Revic est immortel. Hein. J'ai déjà essayé de lui coller une baston dans la tête, il a aussitôt téléporté après moi et m'a arraché la glotte. Bah, c'est peut-être parce que t'es dans son monde, il faut peut-être le tuer dans le vrai hôpital. Ouais. Hein? Oula. Ouh, putain, il y a des pièges. Il y a des pièges. En fait, il faut que tu le tues en vrai pour que ça marche. Si ouais. Ça, c'est le monde que lui a créé. Ah, pétard. Attends, pétard, où est-ce que je peux me briter? Les délicieuses munitions. Putain, ça c'était ma cuisse. Oh, t'en as besoin de ta cuisse, tu sais. Enfin là, j'essaie de me prendre. Putain, bon, tant pis, je récupérerai pas les autres munitions. Hey, putain, vous déconnez les mecs. J'en ai marre de me prendre des balles. Tu m'étonnes. Tatiana, où es-tu? Je suis là. Bordel. J'aimerais tellement entendre la musique du miroir. Parce que en plus, le miroir fait une musique particulière.
C'est un jazz tout doux. Ah, ça qui signale qu'il est là. Allez, on passe, on passe. Par contre, je viens de me rendre compte qu'avec tout ça, du coup, j'ai révélé mon vrai prénom. Bravo. Non, mais généralement, je dis mon surnom, pas mon vrai prénom. Oula, mais où est-ce que je suis? Comment il s'appelle ce chapitre? Les germes du mal. Ok. Merci pour le nom. Ça sonne bien. Attends, est-ce qu'il y a des documents? Non, je peux pas les lire. Oh, et si à la fin de l'histoire, tu découvrais qu'en fait, c'est toi qui en fait contrôle ce monde tordu et pas l'autre, en fait. Alors, un magnétophone, écoutons ça. Courbe d'activité cérébrale absurde, observée chez les patients 25 et 33. Et aussi, tu peux le lire, du coup. Il y a les sous-titres. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont surprenants. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi diminue, une forme de stase apparaît, comme deux créatures siamoises contraintes de vivre ensemble, dans une haine éternelle de l'autre. Sérieux ? Délicieux. Et c'est censé me rassurer, Ruvik ? Ah ben, je trouve pas ça rassurant, moi. C'est... Mais putain, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est stressant. Oh, culé ! Bon, bah autant y aller à coups de pied, hein. Crève, crève et crève. Au moins, à coups de pied, tu n'utilises pas tes... Non, 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 tu t'enfuis pas, toi, non plus. Putain, mais c'est des bébés. Oh. C'est des patients traumatisés. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui me... Tu vas aller te faire foutre, toi, hein. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Oh, tu veux qu'il aille se faire foutre? Aïe, parce qu'il est en train de me bouffer la jambe. Ah, ok. Putain, ils étaient combien? Ah, merde. Et on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre boîte. Et on ouvre boîte. Enfin, remarque, le gardien, on a bien fait l'ouvre boîte, hein, d'ailleurs. Oui. Je me rappelle de ça. Ah, j'adore les niveaux aquatiques. Ah, tiens, t'es comme Kara. Non, parce que les niveaux aquatiques dans les jeux d'horreur, faut toujours s'attendre. Ah là là, je vais te faire un... niveau aquatique. Je vais te faire un jumpscare, il va y avoir un monstre sous l'eau. Bouh. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Allez, moi je pète les trucs à coups de poing. On déballe. Ou du sirop à la menthe. Bordel, mais je suis censé être dans un hôpital psychiatrique. Là, je suis dans un village espagnol, quoi. Dans le village psychiatrique d'un hôpital d'une ville espagnole. Hop là. Ah putain, encore ces mini saloperies. Ah, c'est des fœtus, c'est des bébés, c'est des bébés. C'est des bébés. Shoot dans le bébé. Non, shoot pas dans le bébé. En tant que maman, je ne peux pas cautionner ça. Faut t'en prendre au créateur. Mais en même temps, ils savent que ça fait flipper les bébés. Hop, on éteint la lumière. Et j'entends des créatures qui grognent. Oh, oui, il y a des créatures qui grognent. On va recharger notre arme. Tu crois que c'est les bébés qui grognent? Non, ça, c'est pas un bébé, ça. Ah. Non,
Alors c'est effectivement pas un bébé, je viens de le voir. Oh putain, il est un peu gros celui-là. Mais... mais elle me mord pas la jambe, saloperie. Peut-être que tes jambes ont bon goût. Peut-être qu'elles ont un goût de poulet. Et ma... et mon revolver, il a un coup de poulet. Oh putain, faut que je reprenne de la vie. Madre de Dios. Oula. Allez, j'en mets deux. Maintenant, je commence à choper le coup. Je mets un coup de pied, je bute deux bébés. Un coup de pied, deux bébés. Allez. Bah, c'est joli. Attends, j'espère que tu vas pas essayer de t'entraîner sur Erin. Ah non. Erin, elle essaye pas de me bouffer la jambe. Oh, elle peut te bouffer la jambe. Elle a commencé à bouffer nos genoux et tout ça. Bon, bah... maintenant, quand elle attrape un morceau de peau nue, elle essaye de la manger. Plus le choix. Je voudrais tellement entendre la musique jazzy et rassurante du monde du miroir. S'il te plaît. S'il te plaît, je mets-moi la musique douce et enveloppante du monde du miroir. Et elle te soigne et tout ? Non. Par contre, elle sauvegarde. Ah, c'est déjà pas mal. Oh. Un carreau d'arbalète éclairant. J'ai bien des gouttes qui tombent sur l'écran. Hein. Si vous avez pas remarqué, c'est régulier qu'il y a des petites coulures d'eau sur l'affichage. Si, ça, j'aime bien ce genre d'effet sur les jeux. Est-ce que je peux passer par là? Non. Est-ce qu'il y a une statue de la demoiselle? Non. J'aurais pas de clé, donc. Statue de la demoiselle? Oui, en fait, il y a régulièrement des petites statues représentant une jeune femme. Et elles contiennent des clés, qui sont en fait des clés de coffre mortuaire, qui à l'intérieur ont des bonus dans le monde du miroir. C'est goulayant, tout ça. Désolé, madame. Je suis désolé. Ouais, c'est ce qu'on dit. En même temps, je crois que vous n'êtes pas le miss de cette pénétration. Et Mayana, il fait bien l'accent, hein. J'aime pas du tout comment c'est foutu, cette pierre. Ça sent le piège à con. Mais non. Oh, un objet qui apparaît par terre. Mais qu'est-ce donc ? Bas-relief ensanglanté. Cet étrange bas-relief arbore un visage gravé sur chacune de ses faces. L'une d'elles est maculée de sang. Eh. Ah, d'accord, je dois mettre le bas-relief dans la porte. À mon avis, si je me plante, je me fais défoncer le cul. Quoi, tu veux dire par tous les petits trous autour? Ouais. Non. Non, regarde, t'es entre deux murs à l'endroit où tu vas mettre le bas-relief. Tu peux pas te faire transpercer. Bon, je vais mettre le bas-relief propre, parce que si ça veut dire qu'il est ensanglanté, c'est que c'était pas le bon. Probablement. Enculé de musique. J'ai cru que j'allais vraiment mourir. Ah non, mais c'est logique, s'il y a du sang sur un côté, c'est que c'était pas le bon côté. Suivant, tu t'en es très bien sorti. Putain. S'il vous plaît, le monde du miroir, je veux sauvegarder, je veux profiter de mes 25 000 litres de sirop. Oh non. Oh, j'aime pas ça. Les litres de sirop, là, ça te sert à évoluer? Oui. Revic est pas loin. Oui, enculé! C'est où tu te caches! Putain, qu'est-ce qu'il me prévoit comme piège, ce bâtard? Ouïe, aïe, 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 aïe! P
putain où je suis. Me revoilà dans l'hôpital psychiatrique. Oh merde. Et les points de sauvegarde, du coup, sont très éloignés les uns des autres ? Relativement, oui. Oups. Mais tu as des points de contrôle réguliers. Par contre, si tu éteins, ben, forcément, ça sera au point de sauvegarde. Logique. Ah la vache. Tu vois, il y a ce genre d'ambiance, des changements d'ambiance très régulièrement et au moment où tu t'attends pas. Bah du coup, tu risques pas de t'ennuyer. Donc me voilà dans l'hôpital psychiatrique de Beacon. Et autant te dire que les deux côtés, aussi bien le moment où tu es dans le monde réel que le monde taré, c'est pas le mieux. Mon dieu, voilà le terme. Doc. Ah, enfin le docteur. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça ? Ce Ruvik ? Mais qui c'est ce type ? Oh bah il a l'air sympa, ouais. C'est dans votre intérêt de me dire ça. En tout cas, il a pas l'air aussi tordu que ce que j'imaginais. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela ? Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, mais bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte. Aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. Voilà, tu connais maintenant l'expérience. C'est... En fait, on est dans la tête du psychopathe. Oui, c'est... Mais qui a créé cette expérience ? Avec le docteur. Le but était de soigner beaucoup de maladies, mentales surtout, mais voilà, le problème c'est que... Ça a pas fait exactement ce qu'il fallait. Donc en gros, bah, on est dans la tête de Ruvik, dans laquelle cohabitent plusieurs esprits de... donc de Castellanos, hein, ce qui est sans doute l'hôpital, le monde du miroir, et de les autres. Ah, un dossier Castellanos. Journal de Sebastian Castellanos, 16 juin 2009. Nous avons déposé Lily à l'école maternelle ce matin. C'est sa première rentrée. Elle est courageuse. Tout ira bien pour elle. Mira, bénie soit-elle, a connu 3 années difficiles. Un bébé, c'est un travail à temps plein et elle va enfin profiter de vacances bien méritées. Je veux dire par là qu'elle revient aux personnes disparues du KCPD. Il semblerait que le nombre des disparitions soit en augmentation. À moins de résoudre rapidement ce mystère, il ne restera plus personne pour s'en charger. Tout le monde aura disparu. J'en rajoute, bien sûr, mais quelque chose se trame à Crimson City. Et Mira va s'en charger. Elle excelle dans son travail et est enchantée de retrouver son élément. Et on trouve... En fait, à peine elle quitte le bébé et qu'elle retourne au travail. Ouais, parce que c'est une bosseuse, quoi. J'appelle pas ça des vacances. Visiblement, pour Castellanos, pour Sébastien et Mira, si. Ils sont bizarres. Oh oh. Holy shh. Tu te fous de ma gueule, Ruvik ? Je suis pas surprise de ta gueule. Ruvik, merde ! Arrête de faire chier, putain ! Ta mère! Carrément! Ah! 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 Petite fin de ma gueule, c'est le monde du miroir.
Raté. Chapitre 8, terminé. Déjà ? Oui, certains sont très courts et d'autres sont moyennement longs. En gros, le jeu est considéré comme relativement court parce qu'il lui faut une dizaine d'heures. Mais ce qu'il fait, c'est pas comme un Resident Evil. Resident Evil 7, par exemple, quand j'y ai joué, la première partie est excellente. Mais à partir du moment du bateau, tu sens qu'ils n'avaient plus rien à raconter. Et qu'ils étirent le jeu pour faire de la merde. C'est à partir de ce moment-là que j'ai regardé à peu près. Et c'est vite chiant. C'est naze. Alors que là, tu sens que le jeu se concentre sur ce qu'il a à raconter et qu'il ne va pas chercher à rallonger sa durée de vie artificiellement. Et tu vois, je préfère un jeu court qui fasse ça, dans lequel tu t'amuses, comme tu rentres dedans, qu'un jeu comme Resident Evil 7 qui fait un truc où il dit ce qu'il a à dire, mais qui n'a pas envie d'arrêter. Oh putain. Ah, qui s'étire en longueur. Dans quoi je me réveille? Dans quoi? Oh putain, où est-ce que je suis? Oh la vache. Réveille, tu es sûr de te réveiller? Oh la vache, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ok. Oula. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, mais foutez de moi! Je crois pas qu'il se foute de toi. Inspecteur Castellanos. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Ah, le vrai monde du miroir. Et c'est Tatiana qu'on vient d'entendre. C'est vrai ? Est-ce que je suis mignonne ? Ah, la voilà. Vous avez fait un cauchemar. Et toujours cette petite musique. Et on dirait un peu l'infirmière dans les Resident Evil. Mmh. Dans les Silent Hill, pardon. Non, sauf qu'elle s'en fiche. Oh putain, mais elle parle pas comme ça, Tatiana. En fait, dans la réalité, t'as été enfermée. Non, en fait, il a subi une cure de désintoxication lorsqu'il a perdu sa femme et sa fille et tourné à l'alcool. Vous n'avez pas dormi. Mais ouais, l'infirmière, on dirait vraiment Lisa dans Silent Hill. Allez. J'espère qu'elle finit mieux qu'elle. Ah oui, vu qu'elle apparaît également dans le 2. Comme parce la que personne. Lisa, elle meurt tout le temps. Donc voilà les coffres mortuaires et j'ai pas de clé pour les ouvrir. Ah, il y avait des munitions que j'avais pas fini de prendre. Merci. Ah oui, on part pas sans tes munitions. Hein. Et surtout, je vais te montrer comment on level chez nous. Ouais, je veux voir. Comment on level dans la police. Vas-y, montre-moi comment on level un policier. Avec l'aide de Tatiana. Alors, c'est assez frustrant, à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de réagir. Alors, dans le monde du miroir, il faut savoir que régulièrement, il y a des choses qui s'affichent. Hein. Donc, comme le panneau d'annonce, les journaux. Donc, il faut bien regarder parce qu'ils expliquent des choses dessus. C'est pas qu'un monde vide. Allez. Oh. Augmentons nos compétences de policiers. J'aime bien en fait que t'es un policier débutant quoi quand t'arrives. Alors Josh. Ah si, je l'avais déjà lancé, je me rappelle de devoir aller sur la chaise pour améliorer. J'augmente ma barre ça, de vie. Ça je m'en rappelle. Est-ce que j'augmente ma barre de vie ou j'augmente les dégâts? La barre de vie, c'est toujours utile. Je vais augmenter un peu la barre de vie. Comme ça, et ça, un peu les dégâts. Ça c'est fini. Et peut-être les dégâts de mon arme à feu, j'ai pas assez. Voyons voir sur les pistolets, j'ai pas assez. Fusil à pompe, j'ai pas assez. Je crois que t'as pas assez sur rien. Voyons voir les stocks. Ça a dit, tu peux augmenter ta cadence de tir, ça peut faire le café aussi.
C'est vrai, mais le problème c'est qu'il y a autant de cadences de tir que d'armes. Ah oui, bah ça je sais pas sur quelle arme tu préfères, mais... Mais je sais pas, généralement quand je peux pas améliorer les dégâts, généralement c'est ce que je fais, j'utilise les cadences de tir. Donc là on passerait au lieu d'une seconde par tir, ok. Pourquoi pas. Putain, ça c'est cool. Comme on voit, on se prend une bonne grosse décharge pour t'expliquer que le truc, tu vas avoir très mal. Et on voit comment Castellanos gère la douleur. Oh, c'est bon, j'ai mal à la tête. C'est ça. Moi, personnellement, déjà, à sa place, tu vois, j'irai pas là-dedans. Il faut que j'évite de déranger les autres patients, elle m'a dit, mais... Non. Il se passe quoi si tu les déranges ? Non, bah en fait, non, c'est juste des petites cinématiques, mais là, il n'y a pas eu... Donc j'en profite pour sauvegarder, hein, parce que je suis quand même pas trop con, au bout d'un moment. C'est rassurant. Mais bébé, c'est pour te faire un manger. Non, passe-le moi. Mignon, mignon, mignon. Viens près de maman. C'est mignon. Les souvenirs sont trop fugaces. Les souvenirs peuvent être pervertis par les autres. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Oh. Et là, on voit donc que... Putain, c'est téléporté. C'est la famille du docteur ? Non, en fait, le mec, le petit enfant blond qui a le crâne défoncé, c'est Rubik. Ouais. Ah, d'accord. Celle qui. La jeune femme avec les longs cheveux, mais avec la figure barbouillée de noir, c'est Laura, sa sœur. Et on j'imagine que c'est pas bon non plus. Ben, on affronte sa sœur dans une forme pervertie, une femme araignée qui ne meurt que brûlée. Parce que sa véritable sœur est morte brûlée quand il était enfant. Et sa maman et son papa ? Il les a tués pour disposer de l'argent familial. Oh, tout va bien. Putain, mais elle s'est téléportée encore ? Ah bah oui, elle est revenue tranquille à s'animer les ongles. Ok. Bon. T'es sûr que t'es dans un vrai monde ? Ouais, oui. Ah, le miroir n'est pas actif. C'est qu'il y a... Ah. Oh, comment je fais pour me barrer d'ici ? Est-ce que je dois retourner voir quelqu'un ? Tatiana, s'il te plaît, m'enferme pas. Est-ce que c'est ce miroir-là ? Non, j'ai pas d'accès. Il y a peut-être quelque chose que tu dois trouver. Tu vois, comme quoi la salle de sauvegarde participe aussi au jeu. Il y a de nombreux moments dedans où tu te... Ah, je peux plus sauvegarder. Tu peux pas sauvegarder ? Non, je peux plus sauvegarder. C'est pas de bon augure, ça. La musique a changé. T'es vraiment sûr que c'est la réalité ? Ce n'est pas la réalité, ça. C'est, oui, c'est le monde du miroir. J'entends par là ta réalité. Enfin, le problème, c'est que comme tu es connecté à l'expérience, tu peux pas partir. Mais là, pourquoi tu peux plus partir ni sauvegarder ? On va savoir ce que Rubik veut. Est-ce que Rubik a contrôle sur ton truc aussi ? Sur ton esprit ? Régulièrement, il pénètre dans ce... Donc voilà. Il n'y a pas des papiers à lire sur le... Ah, je cherche, je regarde. Les miroirs ne sont pas brisés. Non. Allons voir de plus près. Mignon. Attends. Bonjour, Rubik. Enculé! J'attends de rattraper.
ta mère la pute. Oh, quelle horreur. Voilà, tu viens de voir le vrai visage de Rubik. Ah mon dieu, c'est une version pervertie de la du monde des miroirs. Ah oui, tu n'es plus du tout au même endroit. Je peux de nouveau sauvegarder. Ouf. Cela dit, j'aime bien, c'est plus cosy là. Ah, un journal. Incendie tragique. Des enfants victimes d'un incendie. Les jours de la jeune fille sont en danger. Où étaient les parents? Les enfants jouaient dans la grange. Des enfants jouaient dans la grange du domaine Victoriano ont été brûlés au troisième degré. La jeune fille de 17 ans est toujours dans un état végétatif. L'origine de l'incendie reste indéterminée. Mais ça veut dire que lui aussi a été brûlé. C'est pour ça que son visage est déformé par les flammes. Il a cramé. J'aime mieux l'ambiance de ce monde-là. C'est plus cosy, il y a des jolis petits tableaux partout et tout. Disons que c'est plus d'époque. Oui. Ok, là je retourne au bureau. Donc là, la salle n'a pas changé. Il n'y a rien par ici. Tabernacle d'Hostile Calice de Caribou. Tout ça? Ouais. Ah, tiens, la pièce qui mène vers les chambres est fermée. Ah. Putain, Rubik de... Je vais te buter, je te jure. Il est apparu par derrière les barreaux, c'est ça? Ah non, il m'a envoyé dans un autre monde encore. Ah oui. Ah oh, super. Ah oh, t'es dans un bois maintenant. Oh non. Yarin. Arrête de râler. Rubik. Rubik, viens et affronte-moi comme un homme. Mais c'est qui serait casse-couille le petit père? Oh, du sirop à la menthe. Oh, des balles. Bonsoir, c'est Tanta qui nous dit qu'il a qu'une chose à dire. Chaussette. Bonsoir, c'est Tanta. Ah, d'ailleurs, il est passé demander des nouvelles. Récemment. Ah oui, mais maintenant, il nous a sur la PS4. Bon, sirop à la menthe. 5 fruits et légumes par jour, hein, moi je. Parce que sinon on va dire que je copie Bob Lennon. Alors moi c'est 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi Bob Lennon, c'est quoi? Bob Lennon avait fait un let's play de ce jeu où il disait que c'était du sirop à la menthe. Ah. Oh, ça c'est du portail. Rin, t'es pas censé regarder le jeu de parrain. Hein. Ni glisser sous mon bureau. C'est bien, marre-toi devant. Je suis jamais venu ici, mais... Quelque chose me dit que c'est le manoir de Rubik. Quand il était jeune. Il y a des chances. Donc, viens me regarder par terre, parce que des fois il y a des pièges à loups. Hein. Les pièges à loups, ça fait mal, mais ça se démonte. Et il faut savoir que tous les pièges, les ennemis peuvent se les bouffer aussi. Des fois, c'est plutôt amusant de les attirer vers les pièges et de les voir se prendre le truc. Ça, c'est déjà ça, j'ai envie de dire, sinon... C'est des pièges qui fonctionnent sur toi, mais pas sur les autres, c'est un peu con. Il y a beaucoup de jeux qui le font. Ouais, je sais, mais j'ai toujours trouvé ça con. Est-ce qu'il y a... Mais c'est bien de mettre des caisses, mais s'il n'y a rien dedans. Ben. S'il n'y a rien dedans, t'es pas supposé les casser, mais te mettre dedans. Ah, voilà. Balle... Ça fait autant d'effet qu'une boîte en carton. Balle de fusil de précision. Hop. J'aime pas ces. Putain, mais ils étaient dans la forêt noire. J'avoue. On nettoie bien. Hop. Des balles.
C'est Tanta. Elle gazouille, je suis en train de fondre à l'écoute de toute cette cuteness. Non, pour le moment, elle gazouille pas, elle se plaint. Ah, et puis maintenant, elle bouffe les jambes, donc tout va bien. Là, pour le moment, elle bouffe son dos. Bon, bah, on va rentrer dans le manoir. Resident. Il vient avec le manger. Resident Evil. Arrêtez-vous. Regarde, papa. Il a ramené le biberon. C'est mieux le biberon que le jeu de parrain. C'est mieux le biberon que le jeu de parrain. Allez, ouverture du chapitre 9. Cruelle intention. Cruelle intention. Donc maintenant, le chapitre 9 démarre réellement. Est-ce qu'elle a démarré pas? C'est juste... Chaque chapitre a son prologue, c'était en fait. C'était du foutage de gueule. Ben, chaque chapitre a son prologue. J'ai entendu la musique. Il y avait la musique. Il y avait la musique? On l'entend, la musique du miroir. Tu peux déjà y retourner? Ah bien sûr, après ça reste un point de sauvegarde. Donc il y en a un au début et en milieu de chapitre, en général. D'accord. Comment on fait fonctionner ça? Donc il y a une porte, ok, il y a deux tubes qui passent. Ok, donc c'est ça les tubes. Effectivement, une des pièces dans le manoir de Resident Evil. La musique. Le miroir. Le délicieux miroir. Et un journal. Coupure de presse du Crimson Post. Un enfant et sa nounou victime d'un incident tragique à Crimson City le 11 février 2012. Malgré l'arrivée rapide du KCFD et leurs efforts acharnés, un incendie brutal et dévastateur a coûté la vie d'une fillette et sa nourricière l'après-midi à Crimson City dans les environs de Park Ridge. Lily Castellanos, 5 ans, et sa nourrice, Juanita Flores, 56 ans, n'ont pas pu échapper à la fumée et aux flammes qui ont rapidement carbonisé le pavillon. Les pavillons... Donc normalement ta fille est morte ? Oui. Les parents de Lily, tous deux inspecteurs du KCPD, se sont précipités sur les lieux, mais n'ont rien pu faire pour porter secours à leur fille. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser l'incendie qui a entièrement dévasté les lieux. Ces causes font toujours l'objet d'une enquête, mais les premières investigations semblent privilégier la thèse d'une défaillance électrique. La suite en page 8, incendie. Ah, et le miroir se brise, ouvrant le monde du miroir. Tu crois que le docteur, c'est lui qui a déclenché l'incendie, qui a tué ta fille? On le saura peut-être dans le 2. Mais du coup, comment tu vas à la recherche de ta fille si elle est censée être morte? J'ai pas acheté le 2, donc je peux pas savoir. Mais maintenant, je veux savoir. Tu sais, normalement, c'est un des jeux que je veux acheter, donc je le ferai peut-être après. Disparu, Ruben Victoriano. Le fils bien-aimé de la riche famille Victoriano n'a pas été revu depuis l'incendie ayant touché le domaine familial. Ruben Ruvik. Ouais. Un autre journal. Des corps retrouvés près du domaine. Leur identification pourrait prendre des semaines. 4 corps mutilés ont été retrouvés à proximité du domaine Victoriano. Les cadavres ont subi plusieurs opérations chirurgicales rudimentaires. J'aime bien l'autre qui nous dit... dites, vous devez utiliser votre gel vert. Ah, voyons voir, de toute façon j'en ai 2500, donc à mon avis je peux aller me beurrer le cul pour que ça serve à quelque chose. Ouais, 2500, de ce que j'ai remarqué, c'est rien. Je vais peut-être prendre quelques munitions du fusil de précision. Ou j'économise pour le pistolet et le fusil. Ouais, j'économise pour le fusil à pompe. J'économise pour le fusil à peu près. Alors, hop. Cruelles attentions. Sauvegarde. Voilà. Et maintenant, revenons dans le monde de la folie douce. Et hop là.
Tu vois, trouver les salles de sauvegarde, ça sert en plus parce qu'à chaque fois, il y a énormément d'informations. Bah oui, apparemment. C'est pas... Alors, voyons voir s'il y a des trucs là-haut. Putain, faut y monter comme un chien. Il y a plein de pièces là-haut. Il y a plein de pièces et il y a plein de tuyaux. C'est rassurant ou pas? Ben, je sais pas. Apparemment, faut nourrir la porte. Donc... Faut nourrir la porte. Oh putain, Rubik. Casse-toi, bordel de merde. Je passe par là. Allez, ouvre. Fous un coup de pied dedans, je sais pas, mais dégage. Casse-toi, Rubik. Je ne veux pas me casser, je veux t'emmerder. Ah, merde. Où est-ce que t'es con? Mon con de toi. Casse-toi, pitié. Oh, c'est que temporaire. Putain de... C'est-à-dire que tu avais l'espoir de le démolir, cette fois. Non, tu peux pas. J'ai déjà essayé de lui tirer dessus, il te tue immédiatement. Ah d'accord. Donc si tu te rebelles un petit peu trop contre lui, direct, il te tue. Note de la salle de musique du manoir. Deux mondes, séparés par un abîme irrégulier. Au-dessus, des spectateurs anonymes rient de la tragédie. En dessous, des victimes impuissantes perdent tout. Charmant. D'accord, il y a un coffre-fort, mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Ah oui, aussi les bouteilles de tequila, de vin, etc. servent. Ça permet de détourner l'attention de gens qui pourraient te déboîter la gueule. Les zombies étant très cons, ils se dirigent vers là où il y a du bruit. Tant mieux. Bon, on va péter les vases, etc. Il y a peut-être du sirop. Mais pourquoi le vase, il éclate avec du sang? Ah, puis en plus le sang reste un peu sur toi quelque temps. C'est immonde. C'est de toute beauté. Rien dans la cheminée. Rien ici. Bon bah alors sachant qu'il faut que tu fasses attention quand tu manipules les portes parce qu'il y a des moments Castellanos les défonce à grands coups de latte. T'imagines le bordel qu'il fait. Hop, on va éteindre la lumière. Putain, il y a du zombard. Brûle les zombards. En fait, je vais surtout essayer de lui péter la gueule. Oui, c'est des zombards simples. C'est des zombards simples, donc je peux essayer de leur ouvrir la tronche. Non, j'ai pas ma bouteille. Hop. Là, là, là. Bon, le piège. Faut que je le... Putain, le piège est désarmé. T'es content quand il est désarmé, cette merde. Généralement, les pièges, tu préfères quand c'est désarmé que armé. Putain, allez, te réveille pas, te retourne pas. T'sais ! Bonne nuit. Il va bien dormir? Ah ouais. Enfin, j'espère. Bon, il y a deux cadavres. Est-ce que je leur fous? Oui, je leur fous le feu. Parce qu'il y en a un, je sais qu'il est mort parce que je lui ai défoncé le crâne. Mais l'autre, je sais qu'il est possible. Oh putain! Le piège qui a failli se déclencher. On passe sous le faisceau. Voilà. Bon, je garde ma bouteille de vin à la main. On fait gaffe. Hop, éclairage. On repère, on avance. La bouteille de pinard, la voilà. Qu'avons-nous là? Oh, oh. Oh non. Oh non. D'électrodes dans la zone de douleur M33. Inefficace.
Le meilleur résultat, c'est de prévoir en stimulant la zone F7. Zone du consentement du néocortex. C'est terrible le son. C'est vraiment terrible. C'est une horreur. À ce point-là ? Ouais. Ceux qui disent que le doublage français dans les jeux vidéo c'est pas efficace, je leur fourre mon poing au cul. Moi je dis ça dépend du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que le doublage français ? Que la zone F7. M33F7. Test 92A. Placement d'électrodes dans la zone de douleur. M33. Inefficace. Oh putain, il va falloir le mettre. Oh, c'était ça à faire. Super. Qu'est-ce que je viens de faire ? Non, c'est ça. Comment disais-tu ? Ton jardin secret. Ton propre laboratoire. Très impressionnant. Que faites-vous là ? Je ne vous ai pas invité. Allons, nous sommes deux hommes de science. Les hommes de science consacrent leur vie à la quête du savoir. Si tu me montres des expériences, je t'en montrerai d'autres. Ça ne vous plairait pas. Vous seriez dégoûté. La science a parfois des aspects qui peuvent avoir l'air écœurants aux yeux des profs. Tiens, tiens, le docteur. Bien des choses que d'autres trouveraient... On le voit de plus en plus souvent, ce bon docteur. Je sais que vous me prenez pour un monstre. Tu accordes trop d'importance à ton apparence. Et ton intellect, c'est tout ce qui importe. Tiens donc. Je connais Marcello. Et l'autre serait Ruvik. Voilà. Le docteur n'a pas l'air très clair dans cette histoire. Non, tu crois ? Ah merde, c'est pas des caisses à péter, ça ? Putain de merde, ta mère la pute ! Ouah, tu m'as fait sursauter ! Mais quelle délicatesse, Maya ! Ah bon, la gueule. Purée. Saleté. Ça va aller, Maya. T'as, je t'ai fait un bond. C'est dommage qu'on n'a pas ta webcam. Non, ça me boufferait trop de... Ah, tiens donc. Oh, la porte s'active. On dirait ah. Le même liquide rouge. Ça vient. Il y a quoi derrière la porte ? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas Brutus. Le gros toutou qui m'a cassé les couilles là. On va espérer. Voilà, sauvegarde faite. Bon, j'ai plein de balles. Bon, c'est déjà ça. Ben, j'en ai 8 dans le chargeur, 16 à côté. Bien. Continuons notre visite. Pardon pour les bruits derrière. C'est pas grave. Je suis déjà passé par là. Et... Cours, Ruvik. Ruvik, merde! J'ai bien fait de sauvegarder. Voilà le pouvoir de Ruvik. Tu vas pouvoir bien le voir, là. Tu as pu le voir ?
Hmm? Tu as pu voir le pouvoir de Ludovic? Voilà, je suis en train de... Non, j'ai pas vu. En gros, il s'est téléporté à moi et m'a ouvert la gueule. Ah, c'était ça qu'il faisait. Ok. Oui, il m'a buté comme une merde. Techniquement. Ah, mais j'avais pas compris qui t'avait buté, en fait. Oh putain. Ok. Va regarder les munitions. Bouffez, bande de cons, c'est cadeau! Le ménage, c'est pour moi. Ah, faut savoir, tu leur fais la cuisine ou le ménage? Oh, t'es pas sûr. Une hache. Une hache? Ouais, ça veut dire que je peux tuer un zombie d'un coup. Oh, des journaux. La porte, ok, c'est par là que je dois chien. Ouais, donc c'est par là que tu veux pas aller. Putain, le problème c'est que quand Ruvik apparaît. Disons qu'il rend les choses tendues, le monsieur. Non. Un piège à désamorcer. Des munitions. Non, je veux pas la bouteille, je veux la hache. La hache, c'est bien. La hache, c'est très très bien. J'aime la hache, bien. C'est mieux. Ah, munitions, je suis plein. Ok, je peux monter là-haut. Ouais. On va continuer un peu le rez-de-chaussée déjà. Il y a une porte ici. On va l'ouvrir doucement. Castellanos ne l'explose pas. Parce que putain, quand il ouvre en grand à chaque fois, t'es en mode merde, merde, merde. Tu m'étonnes. Ah, un document. Note de la chambre de Ruvik. Je l'ai revu, debout au bout du couloir. Ses longs cheveux bruns, toujours aussi beaux, nacrés par les reflets de la lune. Ses yeux tels des billes noires. Il est entré par sa sœur. Ouais. Ses yeux tels des billes noires sur son visage de porcelaine. Elle portait sa robe préférée, rouge comme un coucher de soleil écarlate, rouge comme un coup de pinceau meurtri sur la toile du crépuscule. Laura, évidemment que tu n'es pas morte. Et il en parle plus comme d'une amante que comme d'une sœur. Donc ça, c'est la chambre de Ruvik. Oh, il y a un meuble. Oui, sirop la menthe. Qu'est-ce que tu caches dans ton armoire? À défaut, la chambre en elle-même a l'air sympa. C'est ce que tu trouves dedans qui est moins sympa. Une autre chambre. T'as trouvé une autre chambre? Allez voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des boîtes de lunettes. Ouais, la chambre de Laura. Une trousse de soins. Oh putain de ta mère! Et qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Bon, bah j'ai bouffé la hache. J'ai bouffé la tronche du mec aussi, mais... La hache, c'était pas toi qui l'avais? Si, si. Disons que maintenant, je l'ai plus, mais que la tête d'un zombie, là... Ah d'accord, donc tu peux plus l'utiliser après. Ouais. Bah c'est surpuissant parce que ça tue n'importe quel zombie. Les salauds, il y avait un piège derrière la porte et tu peux pas le voir. C'est sympa. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, hein, dites-moi. Ouais, j'ai bien l'impression. Allez, on avance. Le pire, c'est qu'il y a des pièges à fil tendu. Ça, c'est... C'est terrible parce que tu vois juste le reflet du fil, en fait. Oh!
Comme dans la réalité. Hop. Il y a une grande porte là. T'es sûr de vouloir prendre une grande porte? La grande porte ne s'ouvre pas. Généralement, derrière les grandes portes, il y a des grands machins. Et tu vois, ce jeu alterne, tu vois, des phases de recherche un peu stressantes, etc. Oh putain de merde, Ruvik ! Putain, je te hais ! Je te hais ! Je te... Psa mère. C'est tellement pupute ce piège. C'est tellement pupute. Mais non, c'est une idée. Au moins Castellanos n'aura plus de problème avec les régimes. Merci Seth. Merci Seth. Ah non, mais ça a un sens réaliste. Bon, maintenant du coup je suis obligé de refaire toute la zone. Mais maintenant que je sais comment elle fonctionne, je peux y aller beaucoup plus vite. J'ai failli rater le piège. Hop, une petite bouteille. C'est une bouteille à la mer. Ah, du coup, je vais pouvoir visiter un peu l'étage de la bibliothèque en attendant. Histoire de faire quelque chose de nouveau. Enculé ! Mais t'es un fils de ta mère, toi ! C'est rassurant, dans un sens. Voilà, dégage. Et en plus, t'as sali les livres, connard. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Cadran supérieur de coffre. Ce vieux cadran de coffre-fort porte les numéros 0 à 24. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Je comprends pas. Je ne peux pas comprendre à ta place. Oui, on va voir qu'est-ce que c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11, ok. 11, c'est peut-être le chiffre du coffre-fort qu'on a croisé. Ah, peut-être. Vu qu'il parlait que les seigneurs sont au-dessus. Et si c'est le cadran supérieur. Ouais, ouais, c'est possible. On va essayer. On va déjà le mettre en place avant d'oublier ce style de conneries. Avant que Ruvik nous saute à la gueule comme une merde. Encore. Sauf qu'il y a un souci. Mmh. Je me souviens plus où est ce coffre. Ah. Alors ça, c'est très... Alors ça c'est très con. On n'est pas dans la merde. Je me souviens pas où est le coffre. Putain bon. Ah, je risque pas de pouvoir t'aider là. Où es-tu? Déjà j'ai pas le sens de l'orientation quand je suis sur un jeu, alors quand je suis en train de regarder un jeu. Mais au fait du coup, j'en profite pour péter tout ce qu'il y a. Oh, il y a 3 bouteilles de sirop. 5. Allez, églou, 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 c'est bon pour le cerveau. Ah oui, ça, il n'y a pas à chier. J'ai adoré triturer la cervelle du patient, mais bon, c'est pas par là que je dois aller. Putain, où est-ce que... Voilà, t'as qu'à ouvrir la porte d'un grand coup de pied dedans, c'est bien. C'est surtout d'une délicatesse. Ah bah Castellanos, c'est le mâle viril.
ça pour être viril. Attends, il affronte tout ça et même pas il fait pipi quoi. À mon avis, il a connu l'enfer de l'alcool donc. Oui. Cette porte a été ouverte tellement discrètement. Attends, oh putain. Non, putain, fallait que tu te retournes. Non, aïe, le coup de couteau, merci. Connasse. Oups. Ouais, elle avait pas l'air très très contente de te voir. Bah le pire c'est que je suis arrivé de dos mais elle s'est retournée pile à ce moment-là. Bah ouais, j'ai vu. Bon, mademoiselle. Mademoiselle. Ah, bordel. Oui, putain. Alors, tu me diras, ça peut pas être madame parce qu'avec une tronche pareille. Bon, bah... Oh non, 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 non. Ruvik, 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 Ruvik. Que je me casse d'ici. Que je me casse d'ici ou que je trouve une planque. Planque-toi sous le lit. J'ai pas... Je me suis trompé dans les touches. Et du coup, t'es mouru. Ah, comme une merde. Ok. Tiens, on parlait tout à l'heure de comment ça s'appelle de Assassin's Creed Origin. Un truc qui m'a fait marrer dans les let's play, qui est absolument génial. Mais c'est que le héros, il avait une putain d'avance sur son temps. Ah, quand même, oui. Oui, genre, je sais pas moi, l'aigle drone. Ouais, mais en même temps, dès le début du jeu, tu sais, t'as une pomme d'Eden dans la main et la seule chose que tu fais avec, c'est détruire le crâne de quelqu'un avec. Alors que c'est un truc surpuissant, bien en avance sur son temps. Ouais, mais là, ouais, mais quand tu vois que l'aigle, c'est véritablement un... Le truc, c'est un drone que tu peux utiliser comme télécommande. En fait, ils ont remplacé la vision de l'aigle qui permettait de voir directement tout autour de toi. Mais je trouve que c'est plus sympa avec l'aigle, du coup. Ouais, enfin... Parce que tu dois bosser toi-même. Ouais, enfin, ça reste un aigle drone, hein. C'est... Oui, mais au moins, dans le niveau matière de jeu, tu dois jouer ton aigle. Ouais, enfin, tu dois faire des efforts pour repérer des trucs. Ça reste le turfu, quoi. C'est... Oui, mais au moins, tu fais des efforts pour trouver les trucs. Ouais. Ça, c'est bien. Mais ça reste le turfu, hein. Parce que, excuse-moi, on appelle ça un drone, communément. C'est pas un animal. Si c'est un animal, c'est nous. Oui, mais c'est sûr que c'est nous, mais c'est pas c'est moi. Mais non! C'est nous, c'est le nom de la bestiole. Oui, non. Je verrai quand je jouerai, chérie. Je veux être surprise. Ah, j'espère ouais. Bien. Ses ancêtres ont plutôt une bonne vie. Voilà. Oh, punaise. En plus, c'est qu'elle gardait des trucs bien, là, Mimi. Elle gardait des trucs bien, Mimi. Elle gardait quoi? Du sirop. C'est ça que t'appelles des trucs bien? Bah oui, c'est un peu... Castellanos, voilà, il peut faire la technique spéciale d'être sous le lit. Oh, oh, ça devait être son coup. Ça devait être son coup. Là, il y a plusieurs portes, je vais en profiter pour visiter. Ces apparitions de Ruvik sont un peu flippantes en soi. Je crois que c'est lui. Oh aussi. Putain! Un piège derrière les caisses à détruire. Sérieux. Si le jeu veut pas te péter la mouille, je sais pas ce qu'il veut.
Bon, au moins... Ah bah le jeu, il est là pour ça, hein. Sans déconner. Bon, c'est bien de faire le fond en comble les pièces. Ça m'aide un peu. Oh, oh ben non, maintenant, maintenant, je suis à plat. Je suis à plat, je peux pas les... Ah, là, voilà le coffre. Donc... Ah, je peux pas le poser. Ah ben, je peux pas le poser parce que je l'ai pas récupéré. Et... Vu que je suis mort, ça a pas sauvegardé que je pouvais l'avoir récupéré, le cadran. Ah ben, oui, non. Oui, voilà. Ce qui s'appelle se faire baiser. En toute gentillesse. Bon, et en toute délicatesse. Allez. Et hein. Avec beaucoup d'amour. Ah oui, ça, au niveau amour, il n'y a pas à chier. Bon, je vais tâcher de les démonter, ceux-là, parce qu'ils commencent à me gaver. Voilà. Hop, hop, hop. Boudoum, boudoum, boudoum. Boudoum, 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 boudoum. Bonjour, messieurs, dames. Voilà. Oui, oui, vous êtes morts. Hein. Arrêtez de grogner. Voilà, la petite hache merveilleuse et magique du pan dans ta tronche. Bien, on va récupérer le cadran cette fois. On ira sauvegarder juste après pour le carré. Oh, Ruvik, sans déconner, maintenant. Oh. Ah oui, non, 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 mais... Non, mais oui, mais non. Non, mais oui, mais non. Je vais le buter. Ruvik, quand je vais pouvoir te buter, je te jure que ça va être... tellement de défoulage dans ta gueule. Ça fait un peu trois fois que je me fais péter la tronche par toi, là. Et sans déconner, ça commence à me péter les rouleaux. Tu m'étonnes. Donc je vais tellement t'éclater la dentition quand je pourrais le faire. Quelle gentillesse, quel amour. Ah oui, non mais c'est l'amour du travail bien fait. Hein. Ah j'avoue. Tu iras jusqu'au bout des choses. Ah oui, oui. Le Ruvik, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Et boum! Elle est bonne celle-là. Est-ce que je peux me planquer dans cette pièce? Est-ce qu'il faut que je note où je peux me planquer là? C'est mieux de savoir à l'avance. Oups là, le piège, j'ai oublié le piège. Et dire qu'un jour, Erin, elle va peut-être te dire « Ouais, maman, papa, je vais jouer à un jeu d'horreur, mais en version immersion. » What? Le jour où il y a non, je l'aurais fait avant elle. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, l'autre bâtard? Ah, mais c'est qu'il a une hache, c'est pour ça qu'il me faisait aussi mal. Ça peut expliquer pas mal de choses. Ça tombe bien, moi aussi j'en ai une. Et vu qu'il avait une hache, je récupère celle-là. Voilà, donc ils étaient 11, on mémorise bien. On mémorise bien, ils étaient 11. Donc voilà. 11. Hop, comme ça, je redescends à l'étage. Je redescends à l'étage. Oui, tu redescends à l'étage. Parfaitement normal. Je redescends, je vais poser
Putain, c'est marrant, il n'y avait pas cette fissure là. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Où était le coffre? Putain, j'ai empaumé le coffre, bordel. Cet Anta a capté un truc. Ah. Et c'était quoi? Énergie 12, RMC? Ah, il a capté un truc pour MGS5. Bien, Tatiana. Arrête. Mais j'y peux rien. Oui, mais arrête de l'appeler par son nom. Voilà, c'est sauvegardé. Donc maintenant, on peut y aller tranquillement. Donc c'est tenté à capter un truc pour MGS5, mais aura-t-on la réponse? Bon, je vais péter la gueule aux zombies là-bas. Hop là, il me voit pas. Oh putain, t'as des jolis petits petons. Ça c'est le moment où tu te sens mal. La 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 la. C'est quand tu les vois bouger. Et ils peuvent te trouver? Ouais, ils peuvent me trouver, mais je peux les déboîter. Et voilà! Tu m'emmerderas plus. Ah, bordel. Fera plus chier, hein. Du sirop. Oh, du sirop. Et du sirop, encore du sirop, beaucoup de sirop. Ah bah, il en faut. Tellement de sirop qu'un jour t'auras une cirrhose. Oh. Oui, je sais, c'était nul. Bon. Putain, par contre, à chaque fois... Hop, putain, l'explosif. C'est génial, quand t'as une mémoire de poisson rouge, tu peux te faire surprendre par les pièges 10 fois. Sans jamais te lasser. Enfin si, ça devient lassant. Non. Oh. C'est tenta. Déjà d'une que les soldats de Kara sont super à voler parce qu'ils sont bien gradés. Mais aussi l'origine de l'épidémie de Mother Brain. Mais il lui a fallu le temps pour comprendre d'où venait l'origine. Oh putain! Putain, putain, putain! Merde, 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 merde! Non! Demi-tour, demi-tour, demi-tour! Ruvik, t'es qu'un pédé! Ruvik! Va te faire foutre! Putain, 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 putain! Quelle violence! J'ai plus d'endurance! Ça va aller, Maya, ça va aller. Tout va bien. Bordel de merde! Mais il va cesser de me péter les couilles, celui-là! Donc celui-là, c'est un 11 là-haut. Ah non, il me faut les deux. Ah non, il me faut les deux tourelles. Mais au moins c'est fait. Je file sauvegarder, hein. Vaut mieux. Je file sauvegarder parce que j'ai plein de sirop à la menthe. Et tu as envie de les injecter dans le crâne. Non, c'est surtout que j'aimerais éviter de me retaper le nettoyage des pièces pour la 4e ou 5e fois. Ah, c'est une bonne chose aussi. Ah oui, quand on revient un peu trop souvent, elle commence à s'inquiéter pour nous. C'est assez fun. Vous êtes du genre anxieux? Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air pâle.
Apparemment, dans Evil Within 2, par contre, elle a de réelles discussions par rapport à la situation. Ah. Donc, vu que tu peux lui parler directement, et elle va te répondre. Sachant que aussi elle te dira ce qu'elle en pense, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, certaines fois, Castellanos lui répond par « Mais je sais que j'ai mis... j'ai... comment ça s'appelle ?»« Kinman et vous. » Donc il la prend réellement pour une personne qui l'aide. Ah d'accord. Et on sait pas qui c'est en fait. Oui, en fait, on sait pas si ça fait partie de ton subconscient ou... ou quelqu'un qui l'a connu. Mais il faut savoir que le surnom de Tatiana n'est pas son nom. À aucun moment, elle le donne. Ah, d'accord. C'est pareil. Alors c'est... pourquoi tu l'appelles Tatiana? Parce que c'est Bob Lennon qui l'a nommé comme ça. Et à force de l'écouter, c'est devenu une habitude pour tous ceux qui ont vu ces playthroughs. Donc tout ça pour m'emmerder, en fait. Je vois pas de quoi tu... Putain, y a un zombie qui me voit. Et pourquoi pas Natacha? Oh putain. Attends, y a un zombie qui me voit là. Y a un zombie qui me voit. Je t'assure, Erin n'est pas un zombie. Un sirop à la menthe? Oh putain. Des pervers fusions de santé. Mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de perfusion de santé. T'es sûr? Non. Je suis pas sûr. J'ai plus... D'accord, j'ai mes balles de revolver qui sont à fond. Voilà, j'ai complété mes balles. Bah en fait, Millet, j'ai fini sur le début de l'épidémie dimanche soir, juste avant de dormir. Donc j'ai juste regardé vite fait la quarantaine. Réponse de cet entat. Mais normalement, il est censé le savoir avant même d'avoir fini le truc de l'épidémie. Ça va, cet entat, je te fais pas trop une voix chiante? Si, tu lui fais totalement une voix chiante, mais... C'est lui, il a plus une voix comme ça maintenant. Enfin, mais ça me prendra du... Ça marche pas avec ma bombe. Faudrait que je l'écoute plus souvent déjà. Bon, allez. Est-ce que je vais me taper ce piège à la con? Oui. Ne tombe pas, hein. Si tu tombes, tu vas le regretter, hein. Et c'est pas le moment de tomber alors que Saint-Nicolas il passe demain. Ah, fragment de la carte. Parfait. Ok, une femme qui rit dans la baignoire. Enfin, on entend juste le rire. C'est magnifique. Ça me rassure. C'est vachement rassurant. Ouais, beaucoup. Le jeu, tu iras. Oh putain, bon. Allez, on y va. Oh putain, j'ai réussi à couper avant qu'il me bouffe. Ouf. Oh connerie. Mais j'ai juste eu l'alerte d'Oslot me disant que des soldats ont été en quarantaine. Et j'avais pas souvenir de cette partie-là sur les lives de Kara. Parce que Kara, il avait déjà prévu le coup. Pendant l'épidémie de la Bozarbaise. Ok, là je peux me planquer. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? De la santé, j'en ai rien à battre. Dans cette armoire, il n'y a rien. C'est pas la générosité qui vous étouffe. Dans cette putain de baraque. Oh putain! Revic! Non, oui! Cache-toi, bordel! Ah, maintenant il va venir tout le temps, apparemment.
Mais je te hais tellement, connard. Mais non, tu le hais pas. Ah si, si. Eh, tu lui portes tout l'amour du monde. Ah non, non. Mais si. Ah, tellement Allez. Pas. Tellement pas. Tellement pas. Non, Irine, c'est pas perturbant quand tu tapes l'arrière de mon... Je vais tellement lui éclater la tronche comme une merde. Putain. Est-ce que c'est possible d'être aussi chiant et con à la fois? Ah oui, oui, tout à fait. La preuve, il le fait. Oh putain, je suis obligé de le méchant qui est chiant. On peut dire qu'il t'a littéralement éclaté la tienne pour le coup. Merci cet Anta. Il est bon comme soutien, cet Anta. Ah ouais, complètement. Ah, c'est le meilleur soutien moral que je connaisse. Hein. Ouais, moi aussi. Oh, j'ai fait un coup critique. J'ai fait un coup critique. Et t'es un zombie qui sert à rien parce que tu es mort sans rien me donner. Un coup critique qui servait à rien, quoi. Bâtard. Là, je me suis rappelé du piège. On s'améliore. Ah, c'est déjà bien. On s'améliore. Ah oui, il y a de l'évolution. Putain, surtout qu'il m'a buté dans une pièce où il y avait une statue de femme, quoi. Il y avait une statuette, merde. Eh ben oui, eh ben, oui, ben. Merde. Eh ben oui, Erin, mais mes parrains, ils disent plus rien. Ada. Ça t'aide, hein, chérie? On va filer par là. On va aller de cheminée en cheminée. Encore. Non, Irin, pas mes cheveux. Alors, pas les cheveux de maman. Qu'est-ce que c'est ça? Mes cheveux. Aïe. Irin, stop. Ah, je me fais cliquer dessus alors que c'est elle qui me tire les cheveux. Il n'a pas la force de supporter la pression psychologique que j'endure tous les jours. Irin. Ok, ça donc c'est le A2. Chérie. Donc le A2, ça doit être quelque part par là. Non, Irin. C'est dégueulasse. Lorsque j'ai mis la pointe dans le crâne, t'as les yeux qui ont réagi. J'espère que tu lui montres pas ça. Ah non. Alors, c'est Anta. Je pense cet après-midi que j'ai été la personne la plus heureuse du monde. Ah tiens, le docteur. Je cesserai d'exister si vous fermez
Il aura des yeux, il aura du cœur. Tu sais, tu trouves ça marrant, toi, de tirer les cheveux, mais maman ne trouve pas ça marrant. Vous pouvez être fiers de vous. D'accord, il a tué ses parents. Hein ? Ruvik a tué ses parents. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça. Ouais, ouais, mais là, on vient de voir la scène. Oh. C'est gênant. Ben, un peu, quoi. Moi, je voulais pas voir ça, c'est sa vie, quoi. Oui, c'est vrai, quoi. Faut laisser les trucs de psychopathe aux psychopathes. Hop, il y a une morte ici. On la crame. Et on sait pourquoi il a tué ses parents ? Parce qu'apparemment son... Pour l'héritage ? Non, apparemment son père l'a enfermé parce qu'il était devenu un monstre du fait qu'il était brûlé au troisième degré sur une partie du visage. Il était plus beau, quoi. Charmant. Donc il l'a enfermé. Vraiment, vraiment charmant. Ce qui du coup l'a rendu un peu taré. Hein. Bah, ça il venait déjà. Il venait déjà de perdre sa sœur. Ouais, oh, ça a dû rien arranger. La salle des trophées. Charmant, charmant. Ah, un magnétophone. La stimulation des régions corticales à fréquence maximale s'est avérée assez peu efficace. Les sujets hurlent sans discontinuer, mais ils meurent trop vite. Non. Les tests plus précis donnent de meilleurs résultats. La seule question en suspens reste la région à cibler. Non. Peur, espoir, consentement, confiance, envie. Trois d'entre elles sont décisives. Mais lesquelles ouvriront la voie ? Mais quelle voix il parle, putain ! Non, putain ! Ruvik ! J'espère qu'il m'a pas vu. Il te laissera jamais respirer maintenant. Pitié, pitié, pitié. Dégage. Et... merde. Alors, c'est Tanta. En SVT, ma prof nous a fait essayer des masques à gaz. Elle m'a dit que je lui faisais penser à Mantis. Avec des masques à gaz. C'est à son cours qu'on leur a fait mettre des masques à gaz. Sérieux ? On a piqué un pour lui ? Je pense pas qu'il ait pu en piquer. Si vous saviez, c'est pour l'expression. Sur votre visage, me plaît. Carrément ? C'est ouais, mais ça doit être ça. Non. Vu qu'ils ne sont plus utilisables, plus stériles et tout ça, c'est juste. C'est un bout de caoutchouc, quoi. D'accord. On vaut les fois 10, 20 euros, oui, en mince. Et c'est dans les barras de l'armée. Hein ? Alors, cet Anta dit non, malheureusement. Tristement, plutôt. Non, il confirme tristement, il n'a pas pu en prendre. Mais je réitère, qu'est-ce que vous faisiez avec des masques à gaz ? C'est bientôt la guerre, tu le savais pas ? Ah si, je sais que c'est bientôt la guerre, mais... Les masques à gaz, ça va pas servir à grand-chose, ce qu'on a maintenant. Oh, il fait peur celui-là, c'est quoi? Ah, alors... mon dieu! J'y étais pas encore, moi.
C'est les zombies avec masque. C'est, le problème, c'est que tu leur tires dans la tête, mais les masques les protègent. Oh. Bon, sauvegarde, hein? Oui, c'est une bonne idée de sauvegarder. Donc là, normalement, la porte a dû s'activer. Ouais. Plus qu'un dernier. Troisième... il reste plus qu'un verrou. Et je vais aller sauvegarder, hein. Bon, j'ai 8600 de... De quoi, chérie? Niveau ces fesses là, il y a un coucou en... Ouais. Ça sert juste à être jolie ou... Non, ça sert juste à être jolie. Il y avait ça sur toutes les robes à l'époque... Ah, c'est à l'époque de la Première Guerre, non? Maintenant, c'est une tenue d'assassin, donc c'est peut-être... Bon, c'est peut-être juste le design de la tenue d'assassin, alors, parce qu'à cette époque-là, on portait plus de froufrou sur les fesses. Alors, j'y pense, Ubisoft, du 11 au 18 décembre, offre Assassin's Creed, ouais. Black Assassin's Flag. Creed, Black Flag, et je ne sais plus ce que c'est l'autre. Alors, l'autre, c'est pas du 11 au 18, c'est plus tôt. Ah, c'est plus tôt. Ouais. Que Ubisoft offre deux jeux, dont Black Flag sur PC. Maya n'a plus d'excuses. Non, Maya n'a plus d'excuses, mais bon, je sais pas si Black Flag l'intéresse. Non. Parce que niveau de l'histoire des assassins, etc. C'est tardif. On va dire que 70% du temps t'es pirate et 30% du temps t'es assassin. Ouais. Mais c'est bien, quoi, t'es pirate. C'est bien. Allez, on a plus que deux portes à faire. Quelle est cette porte? Oh. C'est classe. Ah, la deuxième porte, un cadran de 09. Et il y en a deux, donc 11 et 2. Oh, le portrait avec l'aura qui a été déchirée. Ok. Donc cette pièce ne sert à rien. Et on va aller mettre le deuxième truc au coffre. Il me semble que le coffre est ici. Oui. Donc 11 et 2. 11 et 2. Oh putain! C'était que... Oh mon dieu, quoi! Merde, je peux pas regarder. Oh sa race! C'était dégueu. Oh, la pièce est dégueu. Oh. Oh, c'est pire que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oh, disons que ça te surprend, hein. Ça pique un peu. Ah, voilà la troisième pompe. Sujet numéro 14, test 88C. Préparation limbique, troisième essai. Placement d'électrodes, c'est 4. Stimulation du gyrus singulaire. Non. Centre de l'espoir. La stimulation de l'axe d'espoir repart le contrôle sur la volonté du sujet, mais le contrôle ne suffit pas. Oh mon dieu, mais la moitié du crâne est vivant. Non. Oh, et pas l'autre moitié? C'est quoi ces quatre? C'est quoi ces quatre? Espoir, il se situe où?
L'espoir, il se situe dans le cœur. Non, tac, tac, tac. Ok, C4, c'est là. Putain de jeu. Ouais, c'est en taille là. Pas en vocal. Mais... Sujet numéro 14, test 88C, préparation limbique, troisième essai. Je lui dirai. Oh, ça y est, la pompe s'est activée. Voilà, j'ai tout fait. J'ai tout déclenché. Tu te sens plus à l'aise? Il me semble que si on se trompe sur le placement des électrodes... La contribution habituelle de ta famille. Ah, ça fait pas un bon résultat. Ça vous étonne? Qu'est-ce que votre hôpital a fait pour mériter notre contribution? Ah. La famille Victoriano s'est toujours montrée très généreuse envers. Où sont tes parents? Ils sont partis. Sais-tu quand ils doivent... Vous vouliez me parler de quelque chose? Je viens simplement de la part de l'hôpital pour t'informer que nous ne serons plus en mesure de te fournir des ressources. Tes recherches finiront très vite par s'essouffler. Vous osez venir chez moi pour me menacer? D'accord, donc le docteur a menacé Rubik. Et plutôt dans le jeu, Rubik disait que il avait été ses études avaient été volées. Ah. Qu'il y avait eu que quelqu'un avait volé ses. Je suis sûr que c'est le docteur qui a volé ses études. Il y a des chances. Hein. Et qui s'est rendu célèbre à la place de Rubik. Je vote pour. C'est pas trop tôt. La troisième porte s'ouvre. Encore. On va pouvoir sauvegarder. Ouais, un point de sauvegarde. Vous avez oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, mademoiselle. C'est sûr? Voilà, donc maintenant je vais visiter une dernière pièce que je n'ai pas faite encore. Ah? T'as pas peur? Faut bien tout visiter, hein, parce que mine de rien, les points d'expérience, ils sont pas tout le temps ils là. Ils viennent hein. Pas tout seuls. Ils sont pas tout le temps là. Et puis, j'ai oublié un truc. Donc, je suis obligé de repartir dans le... Oh, putain, Rubik. T'avais vraiment envie d'y aller? Rubik. Tu sais que tu commences un petit peu à me péter les couilles. Oh putain! T'étais pas obligé de faire ça, Rubik! Il a l'air trop sympa, ce Rubik. Enfin, Ruben, dit Rubik. Allez, dégage. Pourquoi on l'appelle Rubik? Apparemment, c'est le nom qu'il a choisi. Mais dégage, putain! Ah bah, suffisait de demander poliment. Il suffisait de demander poliment. C'est un tas qui fait « Je suis de la ville de Millet. » En général, elle a de bonnes intuitions. Non, sur les jeux d'horreur, j'ai toujours les pires intuitions possibles. C'est ce qui s'appelle l'intuition féminine. Ouais, bah mon intuition féminine, elle est... Je vais arrêter de parler espagnol, parce que ça commence à m'attirer sur les cordes vocales. Pourtant, ça te va bien, t'es sexy comme ça. Oui, je suis peut-être sexy, mais mes cordes vocales, elles, ne vont plus l'être à force. Oh.
Quel gâchis. Elles vont finir par mourir dans d'atroces souffrances. Non, oh, tiens, j'avais oublié la station de menthe. Yerk. Mais non, pas Yerk. C'est bien, ça, de menthe. Ah bah, super. Je crois qu'ici, j'ai oublié une statue. J'ai pas oublié une statue. Si, j'ai oublié une statue. Tu vois ces statues-là, là, qui sont toutes jolies, toutes mimi. Tu les éclates et tu as le Kinder Surprise, une clé. Ok. C'est un des collectibles du jeu. Et sans déconner, elles aident vraiment bien. Ah, des balles en plus. Ok, j'ai fait toutes les pièces. Donc, maintenant on sauvegarde et on va aller à l'intérieur du de la pièce centrale. Et je sais pas... Je veux vraiment y aller. Mais je suis bien obligé. C'est... Non, j'ai rien oublié, merci de me le demander. Est-ce que la qualité vidéo quand même est correcte au passage ? Oh oui. Bon bah allez. Alors voyons voir, cette arme s'est chargée. Cette arme là s'est chargée. Ah bah voilà, cette antenne nous explique que Ruben Victoriano contracte les deux Ruvik. Ah, j'y aurais pas pensé. Très connement, j'aurais pas pensé à ça. Voyons voir, on va essayer de faire un peu de... Voilà. Voilà. On va faire quelques carreaux d'arbalète, c'est toujours utile. Et en route. Ah, c'est refermé derrière moi. Et le couloir a l'air long et infini. C'est rassurant. Ruvik, mon ami! T'es sûr que c'est ton ami? Oh, il nous a fait téléporter. Oh oh. De toute façon, tu ne t'en remettras jamais. Retirer la peau intacte. Les pensées de l'esprit. De quoi est-ce que tu as peur? Écortiquer, sans déchirer. Mon Dieu. Exposer l'intérieur. Je sais pas si tu lis les textes, mais... J'essaye quand je peux. Ruvik est méchamment pété. Non, tu crois ? Ruvik. Ok... Qu'est-ce que c'est qu'il a déchiqueté? Qu'est-ce que... Oh, c'est un poulet. Ah non, c'est un cochon qu'il a incisé. Ouais. D'accord, donc en butant le gardien, en fait, on est dans les pensées personnelles de Ruvik. Dans son passé. Uh-oh. Mmh.
J'aime pas ça. C'est ça? Oh, ta mère! Mais tu dis toujours des choses sur sa mère, mais elle était peut-être sympa, sa mère. Bonjour. Bonjour. Non, laissez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi. Oui, une pièce. What? Non, sans déconner. Sans déconner, Ruvik, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah mais merde! C'est qu'en plus ça descend. Carrément pas dans la merde. Ah putain. Oh la vache, c'est que ça descend cette connerie. Non, allez, Castellanos, tu t'en fous, tu regardes pas, tu avances, hein. Parce que là, j'aimerais pas y rester, tu vois. T'es sûr? Je vais pas y arriver. Ok. Bon, allez, je me casse. Hein. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oh, nom de Dieu! Ok, vous aimez bien beaucoup me rendre dans des trucs un peu psychotiques. Hein. Comment que ça fonctionne? Ok. Bonjour, Ruvik. Ah merde! Hein? Quoi? Ruvik, putain, tu te fous de ma gueule! Oh là là là! Là! Ouais, j'ai pas l'impression qu'il se fout de ta gueule. Je trouve que c'est beaucoup de choses pour peu de. Beaucoup de travail pour peu de choses. Putain, des pièges jaloux partout! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir! Non. Allez, casse-toi. Non, revite! Tout est de votre faute! Ok, si tu le dis. Alors, pour ceux qui ne voient pas, au moment où les crânes vont s'éclater les uns contre les autres, on entend une voix d'outre-tombe gueuler « Tout est de votre faute !» Peut-être que tout est réellement de ta faute. Un enfant qui gueule ça. Hein. Un garçon? Ouais. Peut-être toi qui as foutu le feu. Il est plus vieux que moi, hein. Merde! Allez, pète-moi ce truc! De te crever. Ah bah au moins t'es sûr qu'à la fin du jeu quand t'affrontes le boss c'est tu veux. Oh bordel. Ah un carnet. Fragment de carte numéro 17. Oui parce qu'il y a une carte en plus qu'on complète.
C'est une carte de quoi? La carte de la ville. Ok. Ok. D'accord, des hommes ont cramé la grange où il est, où sa sœur est morte et lui brûlé. Oh. Est-ce qu'il savait que les gosses étaient là? C'est donc peut-être que ça vient de là, ce merdier. Il y a des chances. Pourquoi il a cédé à la folie? En même temps, c'est plutôt flagrant qu'il a cédé à la folie, là. Oh, quand le jeu te file des munitions et du sirop à la menthe. C'est que ça pue. Flèche électrisante, ok. Ok, je crois que tu me prépares à quelque chose. Non, tu crois? D'accord, donc si c'est donc des gens ont cramé les trucs, sa famille était puissante, est-ce qu'ils étaient jaloux de la puissance de cette famille, ils ont cramé la grange, mais ils ne savaient pas que les gosses étaient là. Ça se tiendrait. Peut-être qu'ils savaient parfaitement que les gosses étaient là. Oh, bah non. Laura, où tu te caches? Ah, les deux gamins. On les voit quand ils étaient enfants. Oh. Et Charles? Sale Audrich, ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. D'accord. Les paysans étaient bel et bien jaloux de l'achat de leurs terres par la famille de Ruik. Et ils ont cramé la fête. Ils ont cramé sans savoir les gosses. C'est vrai? Je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Ils savaient que les gosses étaient là. Ah, tu vois? Je l'avais dit qu'ils le savaient. Qu'est-ce que... C'est... Putain, je comprends Ruvik d'un coup. Bah oui. Ah oui, on voit Ruvik qui brûle. Et sa sœur l'a sauvé. Faire ça à des enfants. Sa sœur l'a sauvé. Oh, que tu fasses le jeu. Sa sœur l'a sauvé en se sacrifiant. Faut pas que je reste ici. Merde. C'est comme ça qu'il est mort. Qu'elle est morte. Qu'elle est morte, oui. C'est clair. Comment tu peux lui en vouloir d'être devenu faux? Coucou. Coucou. Sangan qui apparaît comme ça, comme une brute en plein milieu du stream. Le pop d'un Sangan sauvage. Bah coucou le stream. Non, on dit coucou les gens, même s'il y a personne. Ah bonjour, si, il y a 7. Ah oui, il y a 7. Oh, Miet. Miet, elle considère que 7, c'est personne. Mais oh non. Oh non, non, 7, c'est quelqu'un, c'est mon petit 7 adoré. Attention, Miet, hein, tu cumules les mauvais points aujourd'hui. Attention. Je suis méchant. Désolé. Non. Par contre, je le redis, hein, j'ai vu un putain de mug avec une corne de licorne. C'est classe. Et ça... Mais t'es pas encore couché, toi? Non, déjà non. Parce que demain je commence à 9h, pas à 8h. Vu que je suis encore en formation. Ça va. J'ai remarqué que tu te disais un peu comme si ça te gênait.
Mais non. On a l'habitude, Castor, si tu vas te coucher. Voilà, c'est surtout ça, c'est ça surprend. Je vais me coucher, très bien. Oh, tu te fous de ma gueule. T'es pas obligé. Tu te fous de ma gueule, Rubik, putain. Ah, j'ai cru qu'il m'en voulait à moi. Non, mais non, il en veut beaucoup aux méchants. Je joue sans Millet, je vais pas jouer avec Millet, du coup, très. Mais j'ai pas dit ça. Non, mais tu veux pas faire de héros aléatoires avec moi, tu veux pas faire de héros aléatoires avec moi, je comprends. Non, je veux faire de classé. Putain. Tu veux pas faire de classé avec moi, je comprends. Oui, si. Tu l'as bientôt fini ta partie ou pas? Pour savoir si j'en suis. Non, on est en train de finir. Après, j'espère qu'on a moins de 1000 points d'écart. T'as combien de points? À mon avis, on a plus de 1000 points. Je crois pas qu'on va pouvoir jouer ensemble. 115 mois. Non, on pourra pas jouer ensemble. Pas encore. C'est en cours, mais. Tu voudras qu'on fasse de l'arcade du coup? Tu voudras continuer à faire du compétitif? Ou de la partie rapide? On va aller faire de l'arcade ou de la partie rapide. Je te laisse choisir le mode. Du coup, ça va, Maya? Rubik, il est un peu chiant, c'est ça? Il est flippant, Rubik. Là, il est encore plus flippant, hein, si on le regarde. Hein. Parce qu'il est blanc, c'est ça? Il est flippant, mais dans un sens, je comprends. Mais là, on vient de voir la totalité de son passé, donc... Le passé, envolé, le passé. Voilà ce que fait cette chanson sur votre corps et vos défenses naturelles. C'est Tanta qui fait « Non mais je me casse si c'est comme ça !» Mais c'est Tanta, non. C'est pas ce que je voulais dire. T'es un petit panda millier, mais quand même, attention. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je vais boire un peu. Non, on a encore l'autre côté. Attends, à faire. M'arrive d'entendre sa voix au sous-sol. Oui, mais non. Il est si près. Il n'y a rien au sous-sol. Que veux-tu que je te dise? Ah oui, mais non. Alors pourquoi faire de la vie? Pourquoi tu me laisses pas y aller? J'aime pas les tenues militaires. Oh mon Dieu, le père de Rubik l'avait enfermé au sous-sol, sauf que sa mère cherchait à voir ses enfants. Et il lui mentait en disant non, il n'y a rien au sous-sol, etc. Elle s'est laissée mourir de faim. Donc tu vois que sa mère, elle était innocente dans l'histoire. Pétard. Non, là c'est le père. Ah. La mère est innocente. Là tu vois aussi le père, c'est vrai. Dans c'est le père l'a enfermé les enfants au sous-sol, enfin, et la mère qui voulait les voir, elle s'est... Parce que sa sœur est morte dans l'incendie. Enfin, il enfermait Rubik dans le sous-sol et sa mère qui voulait absolument le voir, elle s'est laissée mourir. Chapitre 9, terminé. C'était joyeux ce qu'on a appris dans le chapitre 9. Complètement. Ah oui, encore, je t'ai pas donné la version entière. Bon bah si c'est comme ça, je raconte le début de Wolfenstein 2. Non, c'est peut-être un peu tôt. Chapitre 10, les outils de l'artisan. Les outils de l'artisan, ça sonne mieux que les précédents chapitres. 10 sur 15, 10 sur les 15 chapitres, hein, on s'approche de la fin. Je pense qu'il y en aura encore pour 2-3 émissions. Yes, est-ce que tu veux qu'on reste dans le drama avec le début de Wolfenstein 2? Non. On découvre la jeunesse du héros. Non. Bon, non, en fait c'est aussi gore que le truc de... méchant. J'aime pas les trucs gore. C'est pas gore, c'est triste. Tu viens de dire c'est aussi gore. Tu parles de Rubik? Oui, mais parce que moi je trouve que tout est gore. J'aime bien. Mais toi t'es un peu... Enfin si, mais... Enfin, non, je vais me taire parce que tu vas encore mal le prendre. Je comprends et tu as bien raison. Et je dis coucou à Kara qui rigole dans le fond. Bonjour Kara. Il dit bonjour Kara. Et bonjour Erin aussi, j'entends rire. Et bonjour Erin. Et Kara répond coucou. Et Erin ne répond pas. Kara, est-ce que tu comptes faire Wolfenstein 2 au fait? Je ne sais pas si Kara compte faire Wolfenstein 2. Il hésite. Il est pas mal, il dit. Donc, Rubik parlait donc au docteur. J'espère que vous aurez apprécié la conversation. Désolé, c'est Sangan qui veut pas se taire. Oui, mais moi je peux pas lancer Overwatch et un stream en même temps, donc je sais pas.
Note du sous-sol du manoir. On m'a enlevé mes enfants. Était-ce le destin? Était-ce à cause de lui? Mon fils parfait, ça m'étonnerait. C'est à cause de cet incendie. Il a tout brûlé, tout emporté. Les enfants ne sont plus les mêmes. Ernesto non plus. Il a dit qu'il prenait soin d'eux, qu'ils étaient en sécurité. Mais maintenant, il me dit qu'ils sont morts. Comment est-ce possible? Une mère sentirait ce genre de choses. J'entends toujours la voix de mon petit, son rire. Ils viennent du sous-sol. C'est impossible. Une mère a besoin de ses enfants. Oh. Joie! Joie et félicité. C'est vrai que c'est joyeux. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des scies circulaires de la taille de Sébastien. Lianos. Alors, voyons voir les coupures de journaux. Ah, il y a une, un des prisonniers qui a l'air de pas de vouloir se tenir tranquille. Un des pensionnaires. Qui c'est à côté? Ouais, je me posais la même question, Sébastien. Qui se demande qui est le pensionnaire à côté. Est-ce que vous avez la moindre idée de comment fonctionne ce monde? Hein? Qui êtes-vous? La haine. La haine. La haine de Rubik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer ce qu'on lui aurait pris. Il n'a aucune chance d'y parvenir. Il n'a aucune chance d'y parvenir, mais ce monde existe tant qu'il vivra. Vous venez d'entendre quelque chose? Oh purée, la Tatiana qui arrive à ce moment-là. Mais... J'ai envie de savoir qui est cette fichue Tatiana au bout d'un moment. Apparemment, on l'apprend un peu plus dans le 2, quoi, ça... Ah, je sais pas, je l'ai pas encore, je suis cette carte. Accident de voiture. Un riche propriétaire terrien et son épouse meurent dans un accident de voiture. La famille vit un cauchemar. Les corps d'Ernesto et Beatrice Victoriano ont été retrouvés dans l'épave. Leur fils héritera de la fortune familiale. Chance. Ah, d'accord, faut que j'ouvre un casier mortuaire, moi. Oui, dit comme ça. Oui, j'ai une petite clé. Une toute petite clé. Alors, on va ouvrir celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai pas besoin, c'est magnifique. Voyons voir. Hop, la carte se complète doucement. Est-ce qu'on va s'injecter nos 5 fruits et légumes par jour? Les produits laitiers. Bon, enfin, il est un peu caillé le lait. Je t'en sens avec la classe Emilie. Ouais, j'ai fini. Tu peux pas quitter, tu peux. Bon, j'ai 5200. Je vais peut-être augmenter la cadence. Le multiplicateur de dégâts du fusil à pompe, histoire de. N'oublie pas ce qu'a dit l'apôtre Lennon, hein. Oui. Tu ne peux pas bourrer plus de balles dans un fusil juste parce que tu le souhaites. Ça a du sens, hein. Voilà, et on commence le chapitre 10. Hein? Lequel? Là, celui-là, là. Tourner ça, il s'est barré en courant. Hein? Ici, il s'est barré en courant. Le cheval. Le cheval. Le cheval. Ouais, le cheval. C'est génial. C'est trop génial. C'est bon à manger, les chevaux. Oui, c'est vrai qu'un steak de cheval, c'est fabuleusement bon. C'est super bon. Le cheval, ça sert quand même à beaucoup de choses. C'est quand même cool. Bah ouais. Alors, j'ai beau être une fan d'équitation, ça m'empêche pas de manger le cheval. C'est un peu comme les cochons. Ouais, voilà, j'aime le cheval à toutes les sauces. Oh putain! Je l'avais pas vu celui-là. Enfin, je l'ai vu à temps surtout.
Oh la vache. Ah. Oh putain, oui, tu l'as vraiment vu à temps là. Ah. Alors, on est en rapide. Mmh. Ah, voleur. Je te laisse, Maïra. Ah ben méchant. Merde, par contre, je voulais prendre Ange. Ça, ça me fait de la peine, par contre. Oh, mais tout te fait de la peine. J'ai le droit. Non. Mais je suis quand même un peu moins. Tu n'es pas aussi sensible que ça. J'ai le droit, mais je suis quand même un peu heureux parce que je joue avec Millet. Et ça, oui. C'est. Même mais si. Je suis bot. Ok, cette pièce est fermée, on entend des rires de fou furieux. Ouais. Cette pièce est fermée, on entend des rires de fou furieux. De quoi, chérie ? Je sens que le stream est plus fait. Pourquoi ? Pour télécharger. Ah, désolé. Bah, t'attendras pour le téléchargement de ton jeu. Qu'est-ce que tu essaies de télécharger, Kara ? Là, il est en train de télécharger Darksiders 2. On l'a eu gratuitement. Tu le feras pendant la nuit. Oui, je le ferai pendant la nuit. Oh putain! Lui, il va dormir plus tôt et moi pas. Mais... Voilà. Donc, je sais pas quand tu dormiras. De quoi, chérie? Bah oui, c'est ce que je dis. Oh, ce manège! Par contre, demain, tu te lèves en journée. Ouais. Il y a une nuit d'eau en face. C'est Tanta. C'est pour Saint-Nicolas. C'est on lui donne pas Saint-Nicolas le soir. Alors, cette Tanta nous sort le lait caillé. La sœur de Ruvik, elle, elle est canée. Yé, tu peux me souvenir un peu ce que tu fais ? Non ? Ça m'étonne pas. 3 jours, je vais prendre plus. 3 jours, j'arrive à la mague. T'as, pendant un instant, j'ai fait une gaffe, j'ai cru que j'étais ange. Vous voulez me soigner, moi je retiens, c'est pas très gentil, mais bon. Pourquoi, chérie ? Oui, on est con. Ça, je sais, mais pourquoi ? Oui ? Oui ? Enfin, si ? Ah ! C'est l'écrivain de Sherlock Holmes. Ah, d'accord, parce que je me disais. On est con, on va faire. Ah, non, non, moi j'ai tilté que c'était l'écrivain de Sherlock Holmes qu'on rencontrait. Bah, écoute, il dit Arthur Conan Doyle. Je pensais que tu connaissais le nom de l'écrivain. C'est quelque part, tu sais, pour moi, tout le monde sait qui est Arthur Conan Doyle. Oh, sa race. Oh, cool. Mon dieu. Il s'est assuré que lui ne me soigne pas sur Overwatch. Je sais pas qui t'a pris. Un Reinhardt. Ah si, je t'ai soigné tout à l'heure. Non, pas suffisamment. Ah non, pas suffisamment, malheureusement. Mais je l'ai pas. Je pense que tu as quand même voulu me tuer un peu beau. Mais non. Mais voyons, tout le monde veut te tuer. Ça, c'est le nom de la culpabilité. Mais non, je veux pas te tuer sans gêne, non. Putain, qu'est-ce que par c'est par contre, toi, Maillard, il dit qu'il veut te tuer. Par contre, toi, Maillard, il veut te tuer, et ça, c'est très avéré. Qu'est-ce que c'est qui me tire dessus? Je t'ai vu, espèce d'enfoiré. Putain, mais j'ai pas eu le temps d'arriver. Le pire, c'est que je ne peux pas m'énerver, car nous sommes en stream. Je suis donc obligé de rester parfaitement câble, alors que je suis tout seul. J'étais en train d'arriver, mais je t'ai vu tomber avant d'être arrivé. Je m'en souviens pas de toi. C'est simplement les autres qui vont plus loin. Qui vont spawn l'ennemi au lieu d'aider le payload. Oh. Calme. Tout va bien. Ne cache pas que c'est un petit peu compliqué. Mais non, tout va bien. Oh putain, qu'est-ce qui est encore en train de me chercher à me buter, bordel. J'aimerais bien arrêter ce manège de la mort. Manège de la mort. Bah, un petit peu, oui.
Ça sonne bien dit comme ça. Ouais, fabuleusement bien. T'imagines même pas. Son gars, tu es ta mère. Oui, je ne prends pas ton arc. Je joue pas. Tartarin de Tarascon. Oh, y'a pas moyen de couper ce putain de truc. Couper quoi? Le manège. Ah, couper le manège. Ouais, le manège qui si je me rate, me décapite à chaque fois. Moi, je trouve ça fun comme idée de manège. Ah oui, c'est magnifique. Allez, monte pas, putain de manège. Monte pas, putain, où est-ce que tu es, saloperie qui me vise? Oh! Dans la cuisse. Où est-ce que t'es? Vas-y, Maya, oh vas-y, Maya. Où est le tireur, merde? D'accord, je viens de comprendre, Fanny, t'es la seule soigneuse maintenant, alors merci, c'est Boris. Donc merci, c'est bas. Ah oui. Je croyais qu'on avait plus beaucoup de soins, je comprends du coup. Merci. Moi, je croyais que la honge était encore là. Non, non, c'est vrai. La switch, elle s'est dit que prendre un baston, c'était plus utile pour nous tenir en vie. Oh, purée. Aïe. Bon, écoute, je t'aime bien, mais pas longtemps. Tu aimes bien, mais pas longtemps. C'est ça. De jouer à Robocop avec notre mini divar. Il y a un peu ça. T'as l'impression d'être le D117. Oh putain. Hey, mais sérieux, il recharge jamais ce truc? Je ne saurais pas te dire. Des munitions. Pétard. Il y en a un au milieu. Il y en a un qui est perdu sur le petit bâtiment. Merci. Oula. Courage Maya, tu peux t'en sortir. Je crois. J'ai plus de balles. Ah si, Maya peut s'en sortir. Pourquoi tu dis non, toi? Ah! J'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais dire que Maya pouvait pas s'en tirer.
la situation évoluer. Allez, c'est reparti. Allez, faites que je me casse d'ici avant que le snipe me repère. Oh putain. Trop tard. Ah, surtout qu'il y va à la dynamite maintenant. Oh. Bonjour délicatesse. Pourquoi moi? Alors on brûle des gens, hein? Comme n'importe qui d'équilibré. Parfaitement équilibré. Totalement équilibré. Je viens de les tuer avec goût divin en me plantant derrière des missiles. Je suis la police. On me respecte dans le milieu. Ah oui, on te respecte beaucoup. Ben regarde, il l'a remarqué. Ouais. Ah putain, j'atterris dans des égouts remplis de sang et de viscères. Je suis le Snake. As-tu déjà joué au Snake? Oh oui. C'est ma génération, hein, Nokia 3310, tout ça. Tout le monde connaît le Snake. Voilà. Le Snake, c'est la vie, c'est le meilleur jeu jamais créé. C'est vrai, ça. Ça a été triste. J'étais triste de voir que j'en avais pas un de base dans mon nouveau téléphone. Un Tetris ou un Snake? Un Snake. Non, Tetris, j'ai battu le jeu. J'ai fait tellement de points, à un moment donné, le jeu, il a arrêté. Il a dit, bah, c'est bon, j'en ai marre. Tu n'as pas c'est compris ça. Le principe du jeu, lui. Donc du coup, je me suis dit, bon, on peut considérer que j'ai fini Tetris. Oula, ils ont déjà piqué ta Moira. Oh, c'est pas grave, on va prendre May. Moi je vais prendre ma Diva. Parce que. Comment? Mais je veux pas jouer un tank. Oui, mais en fait, moi j'aime bien c'est quand il dit que prenez un tank, mais en fait j'ai déjà pris un tank avant qu'il me le demande. Oui. Alors, Maya, fait voir où t'en es. Ah, il fait sombre là où t'es. Ah non, ça rallume. Es-tu vivant, Maya? Bah, il a l'air. Bah, je pense qu'à la prochaine mort, par contre, j'arrêterai. Ah, il y a un mec qui stream sur Overwatch, visiblement, vu qu'il nous file un lien de sa chaîne Twitch. Sur four. Je lui ai pas donné l'autorisation de streamer mes faits. Putain, mais ils font chier! Ok, mais tous les mobs ils ont des armes à feu maintenant! Vous êtes censés avoir des zombies, connard! Même chose. Avec la farabarde. Ah, j'avais pas vu la phara. Bon, ben voilà, j'ai fini le stream pour ce soir. Mourir? Ouais. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir suivi et d'avoir participé au stream. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous verrons mardi prochain. Vous aurez Sengan vendredi sur comment il s'appelle Dragon Age Origin. Et puis les autres jours, on verra selon comme Kara et Millet iront. Voilà. Mais il y a des chances que vous nous voyez. Voilà, on vous remercie à tous, en vous souhaitant de nouveau une bonne semaine et une bonne soirée. Ciao.